Bonjour, bonsoir, chers amis voyageurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, un bon lundi, un bon mardi, puisque nous sommes mardi soir. Bonsoir Blind Vador, bonsoir Prince Nécrome, et on est sur la nouvelle expérimentale. Alors, soit j'avais pas eu de bol, soit c'est nouveau dans l'expérimentale. Alors, je viens de tweeter pour dire que c'était nouveau, mais ça se trouve ça allait pas, mais j'ai l'impression que ça allait quand même. Ce tube qui était vide jusqu'à maintenant est devenu plein d'une armure. Alors une armure qu'on connaît, a priori, mais avec un multi-outil, a priori. Mais quand même, c'est plus joli comme ça qu'un tube vide, non? J'ai l'impression. Je suis sur No Man's Sky, donc bonsoir Reverso, bonsoir Ancicode, bonsoir l'inéluctabilité cognitive. Alors évidemment dire, c'est marqué dans le titre, que la mage est enfin arrivée sur Xbox en 4.63, donc vous ne bénéficiez pas des derniers patchs, notamment les deux que j'ai en expérimental là, donc celui d'hier et celui d'aujourd'hui. Les Switch sont toujours pas arrivés. Je croise les doigts pour que ça arrive le plus vite possible. Bon, est-ce que vous aviez eu l'occasion de croiser un PNJ, enfin une armure, parce que c'est un présentoir, c'est un mannequin en fait, techniquement. Il ne bouge pas. Vous aviez eu l'occasion d'en croiser un ou pas du tout? Parce que moi, c'est le premier que je croise là, quand même. Alors, je me suis fait une remarque. J'en profite pendant qu'on est dans la station spatiale. On va aller faire des missions ce soir. On va aller se promener. On va faire plein de trucs cool. Ça va être trop bien. Alors, attendez. Hop, je fais une petite bricole avant. Déjà, je coupe mon retour parce que ça n'a aucun sens que je m'entende. Noméo. Bonsoir, Chèque. Hello, Chèque. Et bonsoir, Maximus. Et bonsoir, Delken et Dimitri. Et Benjamin, bonsoir à tous. Ça ne me dit rien, une armure dans le tube en effet. Ah bah non, 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 mais non plus. This is new. Bonjour. Non, j'avais même essayé parce qu'en fait, dans le trailer, on en voit une. Dans le trailer, il y a... Alors, dans le trailer, c'était vide ce tube avant, ils ont patch, tout à fait. Dans le trailer ou dans le patch note, il y avait une armure dedans. Et je me suis dit, ah bah merde, ils ont mis leur perso dedans. Sauf que en fait, j'ai essayé, et puis il y a collision partout, tu peux pas rentrer dans le truc. Donc en fait, ça n'était pas un PNJ. Hein? Quoi? Pardon? Ah oui, non, mais en fait, ils ont fixé plusieurs trucs. Lui, il était vide aussi, de base. Alors, c'est marrant. C'est quand même très, très étrange que dans une mise à jour hologramme, il y a des items qui sont pas hologrammes, du coup. C'est surprenant. Bref, a priori, ils ont fixé au moins ce qui était dans les tubes. Et donc, oui, je disais. Je disais. Et bonsoir, Mont Blanc. Je disais, je me faisais une petite remarque, c'est que. Ils ont bouché les trous avec des caisses, machin, tout ça. D'ailleurs, vous pouvez looter, hein, je rappelle. Vous pouvez looter sur certaines caisses. Il y a des petites bricoles à looter à droite, à gauche. Faut s'amuser si vous avez envie. C'est jamais beaucoup, mais c'est voilà, des petites loot, petits loot. Donc, ils ont bouché les trous à droite. Ils ont bouché les trous à gauche. Ils ont bouché les trous au milieu. Alors, le milieu, on sait pourquoi. Parce qu'ils avaient un énorme problème, c'est qu'il fallait que le superviseur soit visible depuis en bas. Et effectivement, avec cette config-là, je le montre vite fait. Avec cette config-là, le superviseur reste visible proprement. Bon, sauf quand il y a un vaisseau devant, mais vous avez compris le concept. Par contre, en revanche, une étrangeté parmi d'autres, parce qu'il y en a beaucoup, c'est que là, il y a vachement de place, et donc du coup, il y a le tube pour boucher les trous, entre guillemets, parce qu'ils auraient pu le mettre ailleurs, je pense. Là, genre là, il n'y a rien là-dedans. Bref, ils auraient pu le mettre ailleurs. Par contre, de l'autre côté. C'est les enfers de la proximité. Genre, il n'y a plus la place, quoi, quasi. Ça m'a surpris. Voilà, je me suis fait la remarque, je me suis dit, bah, tiens, en termes de gestion de l'espace, c'est un peu surprenant leur affaire. Bref, une fois que j'ai dit ça, donc, vous dire, déjà que la station est très jolie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vous conseille, si vous êtes en train de crafter, et bonsoir, Parpaing, Braque, Centauru, Jonathan. Ils n'ont pas touché le trou du fût entre les deux caisses. J'ai pas vu. Le PNJ regrette d'être en exposé, non? Bah, je sais pas s'il regrette. Si vous êtes en train de crafter un vaisseau, j'ai tendance à vous dire patientez. Si jamais ça vous coûte cher, après, si vous êtes blindé de thunes, peu importe, on s'en fout. Mais si vous êtes un peu ric-rac en thunes, paniquez pas. Sur le craft de vaisseau, parce qu'il y a des étrangetés au niveau des stats qui sont fournies par le. Des trois Become Vikings, c'est ça. Et coucou Tigrouane. Il y a des étrangetés par rapport aux crafts qui sont.
de vaisseau. C'est-à-dire, alors attendez, je vais récupérer, hop, vite fait. Je vais récupérer vite fait un nez. Celui-là. Non, tiens, on va prendre ça. On va prendre ça. Exo. Hop. Hop. Donc là, on est dans un système Viken. On a supposé qu'a priori, les Viken étaient meilleurs pour crafter des vaisseaux chasseurs, etc. Les mêmes règles qu'on a déjà pour trouver des vaisseaux. Bonsoir, Trio. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une contrepétrie, désolé. Ah, je l'ai raté. Ok. Le fût entre les caisses. Ah oui, le cul entre les fesses. Ok. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a plus de chasseurs. Il y a plus de modèles de chasseurs chez les Viken. Il y a plus de modèles de transporteurs chez les Geks. Et il y a plus de modèles d'explorateurs chez les Korvax. Donc, quand vous cherchez en fonction des trois types de vaisseaux que je viens d'annoncer, il vaut mieux aller dans un système plutôt qu'un autre. Vous aurez plus de propositions de vaisseaux. Une fois que j'ai dit ça, donc a priori. On s'était dit, bon, bah, ils sont spécialisés, c'est-à-dire que le Viken craft des chasseurs, bonsoir Fred, le Geek craft des transporteurs, etc. Alors, ça, c'était la base. On va prendre le fuselage hop, de l'horizon, on va prendre l'aile horizon et on va prendre le réacteur horizon. Hop. Une fois que je fais ça, j'assemble et je suis à 294,3. On est sur un chasseur, donc je vais regarder le potentiel de dégâts. On est à 294,3. Dites-vous qu'avec exactement les mêmes pièces. Et bonsoir, Neovax. Hello, hello. Il faut rester Piggy 7 là. Oui, c'est vrai. Dites-vous qu'avec exactement les mêmes pièces dans une autre station, je suis monté à 370. Donc on s'est dit, bon bah ça dépend du niveau économique, machin, tout ça. Ça dépend pas de la réputation, puisque ma réputation n'a pas bougé entre-temps, mais ça peut dépendre du niveau économique. Sauf que là, si je change le vaisseau qui est in station, si je change mon vaisseau, si je prends par exemple mon chasseur, qui est là-bas, maintenant, j'avais un vaisseau sentinelle. Si je prends le chasseur et je reprends les mêmes pièces. Je suis à 328. J'ai pris 50. La fin des votes pour la date immutable, c'était bien à 20h ce soir. Ah bon? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'info. Je ne sais pas. Chèque va nous dire sûrement. Donc ça marche pas. Enfin, donc ça marche pas. Donc il y a une instabilité puisque ça n'a aucun sens que les stats du vaisseau que tu construis dépendent du stat que des stats du vaisseau que tu as équipé. Ça n'a aucun sens. Donc il y a un truc qui cloche ici. On m'a dit sur Twitter, oui, mais t'inquiète pas, ça se refixe au moment où tu l'assembles. Alors là, les stats n'ont pas bougé. Hein, je suis toujours à 328. D'accord? Donc, est-ce que c'est vraiment au dernier moment, au moment où j'ajoute à la collection qu'il va se passer un truc ou pas? Je ne sais pas, mais moi je serai vous. Si vous êtes un peu short au niveau des compos, prenez le temps. Il n'y a pas d'urgence, parce qu'il y a un truc qui marche bizarrement avec les technos et qui, à mon avis, marche tout simplement pas. Voilà. Si je change encore de vaisseau, je vais avoir d'autres stats. Juste dire aussi que si je change d'aile, et ça aurait un peu plus de sens. 351. Peux-tu avoir les coordonnées de la station où tu es en ce moment? Oui, je peux te la donner. Oui, tout à fait. Je vais faire le message tout à fait. Ok. Donc, le fait que, en fonction du skin, ça change les stats. Ça fait sens, puisqu'on sait depuis le début, hormis les augmentations de. Enfin, pas depuis le début, mais. Hormis les augmentations que vous pouvez faire de classe, et les équipements, machin, tout ça. Alors, faut faire attention, parce que de temps en temps, l'arme tombe sur un emplacement surchargé. Là, c'est pas le cas. J'ai pas fait gaffe à 100%, mais a priori, c'est pas le cas. Sur les modèles que je viens de vous montrer. On sait qu'en fonction du skin, de base. Au fait, c'est Black Arm. Hello Benjamin! Je voulais juste te remercier pour les conseils. J'ai passé du temps sur ta chaîne ensuite. Ça m'a donné plein d'infos et surtout, tu m'as donné énormément de force. Merci vraiment. Avec plaisir, Black Arm, du coup. Black Arm que j'ai découvert sur Twitch il y a 2 jours, dimanche. C'était dimanche? Ouais, c'était dimanche. C'était dimanche après-midi, je crois. Donc, bah merci et content si des, comment on dit, si des conseils t'ont été utiles. Black Arm, avec plaisir. Donc, je disais, on sait depuis le début qu'en fait le skin influe sur les stats avant que vous commenciez à jouer avec
avant que vous commenciez à jouer avec les places d'inventaire. C'est-à-dire que, alors là, est-ce que j'ai des exemples dans mes vaisseaux? Les chasseurs, non. Explorateurs, non. En fait, certains skins de vaisseaux sont plus massifs, on va dire ça comme ça. Massif entre guillemets, notamment pour les chasseurs, ça marche. Vous avez deux gros containers sur les côtés sur certains nez. Je crois pas l'avoir d'ailleurs en inventaire celui-là encore. Est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas. Et donc ça influe sur le nombre de cases. Ok, pas de problème. Je veux bien que les stats elles dépendent du skin que tu assembles. Donc ça veut dire que moi qui suis en train de crafter le vaisseau de la précommande, le vaisseau Horizon, bon bah je sais que. Je pourrais peut-être pas tirer les meilleurs stats parce que c'est pas le nez qui donne les meilleurs stats. Ok. Par contre, le fait que ça dépende du vaisseau que j'ai équipé en station, ça n'a aucun sens et c'est forcément une connerie. Donc, je le redis une dernière fois, si jamais vous êtes un peu ricrac en thunes et en nanites, n'assemblez pas vos vaisseaux forcément dans l'urgence parce qu'a priori, les stats, c'est pas bon. Voilà, ça c'est dit comme ça. Juste par exemple, hop, ce transporteur-là. De base, aura moins de stockage que celui avec les 4 boules, par exemple. Parce que celui avec les 4 boules a des containers qui lui donnent plus de stockage de base. Donc le skin influe sur la stat. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, je vous montre quand même, parce que je vais pas l'assembler, mais je vous montre quand même parce que je me suis fixé sur la couleur. Alors moi qui voulais me craft mon explorateur comme le film Oblivion de Tom Cruise. Hein? Qui est pas vilain, d'ailleurs, le vaisseau. Je vous montre vite fait parce que je me suis fixé sur le truc. Donc, quand ils auront un peu stabilisé leurs stats, mon vaisseau que je vais crafter, il ressemblera à ça. Tac, 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 tac. C'est ça, pardon. Non, c'est l'inverse. Ça. Yes. Il ressemblera à ça. Donc chasseur de la précommande en version gris, mais métallisé, pas en version claire. Version métallisée, je le trouve quand même très joli. Donc ce sera ça, mais j'attends qu'ils stabilisent leur stat histoire que ce soit propre. Bonsoir Telstar. Je suis fan du vaisseau. Celui-là là? Ouais, le vaisseau de la précommande, il est trop beau. Mais là, c'est une version différente du coup. Il est pas comme ça. Dans la précommande, il est différent, mais moi, il sera comme ça. C'est validé, c'est décidé. On est calé. Une fois que j'ai dit ça, donc je vous fais le point un petit peu des. Parce que j'ai avancé un petit peu. Alors. On se le dit entre nous, hein, on n'est pas nombreux. Bonsoir Xicoco. Bonsoir tout le monde. Peux-tu me dire les différentes façons d'obtenir les pièces de vaisseau? Vaisseau craché, Xicoco, ou vaisseau que tu achètes? T'as deux options. Jolie la version métallisée. Ouais, carrément. Et coucou Jordan. On se le dit entre nous, on est 62 là sur le stream. On se le dit entre nous, les missions de station spatiale sont chiantes à mourir. Tu peux faire des vaisseaux qui ont une couleur or. Oui, tu peux. Tu peux, mais pas à 100%, Jordan. Pas à 100% parce que ça dépend de la dimension métallisée du vaisseau. Elles sont chiantes à mourir. J'arrive pas à avancer. J'en ai fait, mais j'en ai pas fait assez parce qu'il y a encore plein à faire. Mais parce qu'elles sont, elles sont, elles me saoulent. Donc du coup, je les empile dans mon journal et puis à un moment donné, je les fais en paquet en espérant que ça en valide plusieurs à la fois. Donc chez les geeks, il reste les missions. Plus la thune un peu, mais ça c'est pas grave. Les mots, ils en ont rajouté dans l'expérimental. Donc j'en ai 914, je suis au maximum, mais en fait il va falloir que j'en apprenne des nouveaux. Ça marche pour les trois races. Donc les missions chez les Vikiennes, les missions chez les Corvax, les missions chez les marchands, et là ça se fait tranquillement. Les estimes qu'on peut où on peut faire des dons, honnêtement ça va se faire tout seul. Là, j'ai enfin les mercenaires en full, sauf les missions, évidemment. Et j'ai enfin les explorateurs en full, en estime totale, sauf les missions, puisque c'est chiant à mourir. Voilà. Hop, celle-ci, j'ai pas avancé. Et celle-ci, normalement, j'avais complété, donc on est bon. Donc, j'ai 2-3 missions sur le feu, qu'on va aller faire tranquillement. J'essaie de faire une couleur plus jaune. Quoi? Plus jaune, jus d'orange que or. J'aime bien qu'ils rajoutent des nouveaux trucs, même dans l'expérimental. Bah, c'est-à-dire qu'ils ont réparé surtout. Vivement les navettes, je rêve de la navette rondin toute jaune. Alors, tu sais que je l'ai dit, hein, mais moi, navette, ça fait partie des vaisseaux que je crafterai, hein, à un moment donné. Bon, là, les pièces, j'en ai pas besoin. Alors,
J'ai pris pas mal de missions. Il y aura de la baston, un peu il y aura de la maraf, puisque j'ai pris des missions. Si je dis pas de conneries, si je dis pas de bêtises, il y a des monstruosités et des sentinelles planétaires. Il y a les deux. Donc on fera ça tout à l'heure. On va faire ça dans la soirée. Et là, il y a à nourrir les créatures planétaires, sachant que j'ai trouvé une planète qui est carrément cool de nuit. Donc je me suis dit, on commence la soirée sur cette planète de nuit. Alors elle est à l'autre bout de la map. Et puis on fera les crafts et, enfin les crafts, les combats et autres. On fera ça au fur et à mesure. On va pas s'affoler. Où est mon cargo? Non, mon cargo est quelque part dans le coin, peut-être derrière. Où est mon cargo? On m'a volé mon cargo. Ah non, il est là. C'est bon. Donc c'est cette planète-là. Cette planète-là de nuit est carrément stylée. Et bonsoir, c'est l'eau. Salut à toi. La vache, la couleur verte de la station, c'est joli, avec la forme triangulaire. Mais les stations sont très jolies, Jordan. Ah. On rappelle que c'était les premiers éléments gigantesques dans le jeu, dans l'espace, qui du coup ont pris cher, et les collisions aussi d'ailleurs, qui ont pris cher, hein, parce que c'est quand même relativement simple par rapport à ce qu'ils ont fait. Bref. Alors, où est mon cargo? Là-bas. Mais toutes les stations sont belles en vrai. Toutes les stations sont stylées et il y a vraiment des grosses différences d'une station à l'autre sur les ambiances. Après, tout n'est pas différent, complètement différent, mais les ambiances, quand même, il y a quand même des choses très très différentes. Tu peux passer d'un truc complètement disco cyberpunk à quelque chose de beaucoup plus soft, de très science-fiction, presque Star Citizen, tu vois. Presque un côté science-fiction froide. Bonsoir Lionel. Alors, navettes ont plein de petits ailerons optionnels en plus, c'est pour ça qu'on les a pas encore, tu crois? Et Maximus dit, est-ce que tu pourras donner les coordonnées de la station spatiale à la fin du live? Mais je vais le faire maintenant, pardon Maximus, désolé. Je te file les coordonnées de la planète sur laquelle j'arrive là et ça marchera très bien. Tu sauras que la station est bonne. Alors, j'ai oublié, pardon. Là, il fait jour pour l'instant, mais vous inquiétez pas, il va faire nuit un jour. Par contre, ouais, j'ai des énormes soucis sur le chargement de la végétation là depuis la dernière expérimentale. Mais bon, ils sont toujours en train de corriger, c'est bien, c'est le plus important. Hop, tu m'as demandé une photo. Ne quittez pas. Alors, hop. Juste en bas, à gauche. Tu sais quoi? Je vais éteindre la lumière, comme ça tu verras vachement mieux. Et en plus, comme ça, je vous spoil la nuit, qui est trop stylée. Tac, hop, t'as les glyphes. C'est vendu. Juste en bas à gauche. Alors, ça a l'air vachement varié quand même. Je pense pas qu'on va se sentir une répétition assez vite. Ouais, alors si, indépendamment du style, enfin, indépendamment du style particulier. Je sais pas s'il y a de la faune par contre ici, parce que moi, il faut que je nourrisse des bestioles, mine de rien. Est-ce qu'il y a de la faune? Oui, 9. Ok. Je sais pas si. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'éléments qui sont. Il n'y a pas d'éléments marquants, si tu veux. Donc. Faut que c'est beau. Donc, en fait, on va aller voir dans leur globalité les stations, et dans leur globalité. Non, hein, tu veux pas, hein. Bah ouais, et puis je vais pas le faire à la main, faut pas déconner non plus. Donc on va les voir que dans leur globalité. Dans leur globalité, elles sont à peu près toutes dans la même veine, tu vois. Est-ce qu'il y a des terrestres? Il y en a un tout petit peu. Il y en a deux. On va peut-être pas faire la mission là, par contre j'ai l'impression, c'est quoi ça? Juste un abri. On va voir. On va voir. Pas de panique. Bonsoir Full Metalinks. Alors. Oui, je le pense, car c'est les petites options qui font le charme des navettes. Ouais, c'est possible. Non, mais c'est possible. C'est possible. Tu as peut-être raison. Après, ça n'explique pas le fait qu'ils aient complètement merdé la communication entre le patch note et. Entre le patch note et le. Comment ça s'appelle? Je vais quand même les scanner. Entre le patch note et le trailer, ça n'explique pas. C'est rigolo le ton sur ton là. Bâtiment de la couleur de la planète, c'est original. Entre parenthèses, je suis très 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 déception parce que je suis en train de faire ma base pour le meetup, évidemment, comme tout le monde. Et du coup, j'aurais adoré avoir des câbles.
Mais genre des câbles qui pendouillent, tu sais. Et puis il n'y en a pas. Dans le jeu, il n'y en a pas. Nulle part. Du coup, je suis déception. Voilà, je vous le dis. Coléoptère est revenu bouffer la croquette? C'est vrai? C'est gentil de sa part. Salut, il y a longtemps que j'y ai joué. Genre 4 ans, il y a du neuf pour la coop. Bah ça dépend, c'est quoi la question? Est-ce qu'il y a du neuf depuis 4 ans pour la coop? Non. Qu'est-ce que non? Qu'est-ce que non, je dirais. Voilà, je te ferai une réponse comme ça. Qu'est-ce que non? Ok. Et le troisième. Tu vois, on en parlait, je le disais sur Twitter, mais on en a déjà parlé sur la chaîne, mais le gap entre ça et ça nécessite clairement une refonte de la faune à minima, mais ça fait une éternité qu'on en parle, mais à minima, il faut qu'il fasse quelque chose. Parce que le gap est gigantesque, de la même façon qu'il y a un gap gigantesque entre les bâtiments aujourd'hui terrestres et la station spatiale, par exemple. Et c'est ce dont je parlais. Alors, quand est-ce que j'en parlais? Bonne question. C'est ce dont je parlais sur le fait que, à vouloir, à perdre le fil de la direction artistique et à vouloir implémenter ce qu'ils peuvent faire plutôt que ce qu'ils devraient faire, et ben, du coup, tu te retrouves à avoir un jeu qui est déséquilibré en permanence et eux qui courent après une DA tout le temps, quoi. C'est dommage. Bon, par contre, alors il est censé y avoir deux terrestres. Soit on prend 2 minutes et on le trouve, et auquel cas je le nourris, sinon je change de planète. Mais j'aurais bien aimé vous montrer quand même de nuit. Alors, dans l'ordre, comment on fait? Attendez. Concentration, Ashker, concentration. Terrestre, j'en ai trouvé un, c'est celui que je peux pas nourrir. Le deuxième, c'est celui-là, et on verra bien si on le trouve. Et le reste, c'est sous-marin. Ok. Donc, on va aller se baigner. Et après, on voit. Peut-on faire l'histoire à deux, faire une base en commun, etc. Bah oui mais non. Un truc entre les deux. Voilà, message pour les dates, c'est posé. Pour le meetup, les habits, ce sera du 11 au 12 mai. Ok, nickel. On n'a pas toutes les pièces qu'on voudrait, mais on a de la marave. C'est ça. Tu veux une refonte graphique en profondeur? Non. Non, 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 je veux pas ça. Non, oulala, je veux pas ça. Jamais de la vie, Fullmetallics. Non, 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 c'est pas ça que je veux. Je veux qu'ils homogénéisent. Waouh, je l'ai dit du premier coup. Homogénéise. C'est pas beau, mais c'est dit comme ça. Qu'ils homogénéisent le jeu, en fait. C'est-à-dire qu'ils prennent les éléments un par un et qu'ils disent, ok, ça c'est plus haut niveau. Quel est mon standard dans le jeu? Quel est mon standard? À quoi mon jeu doit... non, à... Comment je veux que mon jeu soit... En 2024, est-ce que je veux qu'il soit, c'est pour l'exemple, hein. Est-ce que je veux qu'il soit comme ça, ou est-ce que je veux qu'il soit comme ça? S'il décide que c'est comme ça, tiens d'ailleurs il a bougé en couleur lui, non? Ah non c'est pas le même. S'il décide que c'est comme ça, moi j'ai zéro problème. Ils peuvent. C'est eux qui décident de la direction artistique. Par contre, il faut qu'ils en valident une. C'est soit ça. Mais ça va être compliqué d'être les deux en même temps. Parce que c'est pas homogène et ça marche à tous les niveaux. Ça marche dans les bâtiments, ça marche dans la végétation, ça marche dans les animaux, ça marche partout. Donc ce que je voudrais, c'est qu'ils fixent un standard et qu'ils alignent tout sur ce standard-là. Si le nouveau standard, c'est les stations spatiales et qu'ils décident que c'est ça, il y a tous les bâtiments à refaire. Tu vois, par exemple. S'ils décident que c'est le scarabée le standard, il y a tous les animaux à refaire, etc., etc. C'est plus ça en fait. C'est pas, je veux pas une refonte en soi, je veux qu'ils juste rendent le truc homogène. Parce que je peux presque te dire quand est-ce que tel asset est sorti en année. Je suis pas fan de construire une base. J'aime bouger, être explorateur, donc rester sur place pour m'occuper d'une base, c'est pas trop mon truc. Après, Delken, personne ne reste sur place, hein. On fait notre base, mais en fait, tout le monde voyage. Moi, j'ai une douzaine de bases, mais j'y passe quand on me demande de les montrer, tu vois. Donc, on a dit l'eau. On a dit l'eau, on a dit qu'on allait se baigner. Donc ouais, non, non, moi je ne demande pas une refonte graphique. Et en soi, je vais dire un truc qui est pas du tout. Oh, j'ai perdu le son. Bah alors Shadow, je vais dire un truc qui est pas forcément.
seras pas d'accord avec, mais moi, la DA de 2016, elle me va très bien, en fait. La DA de 2016, elle me va très bien. Après, la question de savoir si c'est HD ou pas HD, c'est autre chose. Mais la DA de 2016 me convenait tout à fait. Je veux dire, le plus d'heures que j'ai mis dans No Man's Sky, c'est en 2016. Hein. C'est en 2016. Alors, vous allez me dire, oui, il y a la phase découverte, machin, tout ça. Évidemment, bien sûr. Évidemment. Mais moi, le style 2016, la DA 2016 me convenait tout à fait. Simplement, si eux ont décidé que la DA, elle devait évoluer, ce qui s'entend, c'est eux les chefs et c'est eux qui décident et c'est eux qui savent à quoi ils veulent que leur jeu ressemble, et ben ils font le truc de façon homogène. Ils te font pas un truc où t'en as un bout de. C'est comme si toi tu rénoves ta maison, sauf que tu décides de changer de style ou de faire le dernier truc possible au fur et à mesure que tu changes de pièce. Tu finis avec ta maison, tu dis bah ouais, mais alors ça je l'ai fait en 2016, ça je l'ai fait en 2017, et les derniers murs sont en film de carbone, les premiers sont en papier peint, quoi, tu vois, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Je sais pas si mon image, mon allégorie des travaux dans la maison était bonne, mais enfin bon, bref, on s'en fout, allez. Alors, petit tour de faune. Même si du coup on n'aura pas. Ah, sauf s'il y avait un crabe. S'il y a un crabe, ce qui est le cas, on pourrait valider nos 9 espèces. Vas-y. Vas-y. Tiens, mange. Il est content. Alors, tu crois qu'ils ajouteront la statue du pirate Dreadnought? La statue du pirate. Le vaisseau? Tu parles du vaisseau? Honnêtement, j'en sais rien. J'ai l'impression que le travail sur le vif argent, les trois quarts du temps, est quand même un travail, entre guillemets, annexe, tu vois, et que c'est pas là qu'il y a le plus de monde, parce qu'il y a beaucoup de stickers, parce que il y a, tu vois, les dernières statues qu'on a eues, c'est juste un changement de texture, en gros. C'est un changement de texture par rapport à une statue qu'on avait depuis très longtemps. Donc, a priori, il n'y a pas masse travail. La plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, parce qu'il y a quand même eu des nouvelles armures, donc on va pas déconner non plus. Mais c'est quoi? C'est que des poissons de banc. Ah, il n'y a que des poissons de banc ici. Et donc, je suis pas sûr. Mais on peut toujours faire le vœu. Et donc, il manque plus que le terrestre. Ah ouais, putain, ça a été vite. Vache. Ok. Et il n'y a pas de crabe qui se promène là. Il y a un crabe. Je pense que je ferai pas ma mission ici, clairement. Tant pis. Tant pis. Tiens. Hop. Si, y a un autre crabe là. Ah, attendez. Ah, puis le soleil se couche, donc du coup, vous allez voir les couleurs. Je le trouve trop stylé la nuit, la planète. Je la trouve trop stylée. Ça me fait combien tout ça? Ça me fait 4, 5? Peut-être 5. 6 sur 9? Tac. Alors, je suis d'accord avec toi, même si je ne cracherai pas sur une petite remise à niveau modernité. Ouais, mais alors, c'est là où non. C'est là où, par exemple, il y a eu des éléments qui ont été rajoutés qui moi, m'ont. Bon, je vais pas dire déplu, on va peut-être pas exagérer non plus, mais où j'ai un peu grincé des dents, tu vois. Parce que, justement, c'est comme pour. Enfin, mettez la. Mettez le, mettez, changer de contexte, on n'est plus dans le jeu vidéo, on est dans les films. Est-ce que tu apprécierais que ton film que tu as kiffé, il soit refait 5 ans après en mode, tiens, au fait, maintenant, on a des super ordinateurs pour pouvoir faire de la CGI à fond en 4K, donc bah, on refait le film. Bah en fait non. Bah en fait non. Le film et le jeu, c'est la même, tu vois? C'est-à-dire que qu'un jeu soit. Je pense qu'il faut pas. Je pense qu'il faut assumer qu'un jeu soit daté à un moment donné, en fait. Je pense vraiment. Je pense vraiment. Parce que No Man's Sky, et c'est le cas depuis 2016, c'est rétro sci-fi cover book. Tu vois? Depuis 2016, c'est ça. Et on parle pas de contraintes techniques. On parle de direction artistique. On parle réellement de direction artistique. Et je pense que la direction artistique, c'est pas quelque chose que tu refonds. Bah, si, tu peux le refondre, mais tu vas perdre du monde, quoi. Tu vas vraiment perdre du monde parce que si les gens ont aimé un jeu ou ont aimé
un film, la direction artistique joue vachement pour, quoi. Enfin, joue vachement. Tu vois? Donc moi je suis pas fan de l'idée de dire bah, on va le mettre en 2000, on va le mettre en 2000, 2024. Après, il y a des trucs où tu te dis ça fait sens, mais c'est pas vraiment remettre en 2024, tu vois. Là, typiquement, aujourd'hui, les textures sont HD par rapport à une époque où elles l'étaient pas. Bon, est-ce que ça s'est passé de 2016 à 2024? Je suis pas sûr. Tu vois? Mais la modernité en soi, tu vois, typiquement la modernité, ça fait faire les bêtises qu'ils ont fait, de mon point de vue, sur les stations, c'est-à-dire qu'elles sont toutes, enfin pas toutes, mais la texture de panneau là, la texture de panneau qui est SO 2024, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a, tu regardes n'importe quelle image qui est produite en science-fiction récemment, c'est du panneau à foison. Bon, ça fait quelques années déjà, mais alors que tu prends l'époque dans laquelle No Man's Sky voulait s'inscrire, c'est-à-dire rétro sci-fi, cover book, tout ça, comic book, on était sur des grands aplats. Il y a qu'à voir les grands visuels super connus côté Asimov et compagnie, c'est-à-dire que tu n'étais pas sur des trucs où il y avait 12 panneaux au mètre carré en fait. C'est pas forcément un bon exemple, un film bien fait, peut-être intemporel niveau technique. Oui, mais la question, là, pour moi, la question technique, pour moi, la question technique, tu vois, typiquement, je pense qu'elle a pas, elle a pas, elle a pas, comment on dit? Elle a pas cours sur No Man's Sky. Quand ils ont refait le, comment il s'appelle, mince, ah, flûte, Tomb Raider. Ils ont remaster le Tomb Raider. J'ai pas vu dans le détail, mais ils ont pas fait une Lara Croft tout en tessellation et en rondeur. Il me semble pas. Tu vois? C'est-à-dire qu'ils ont respecté la DA. Là, en l'occurrence, No Man's Sky, aujourd'hui, il est 2024. Il est 2024. Donc si tu le refais, en fait, tu le refais à l'identique. Si tu dois le faire juste techniquement. Tu vois? Et si tu le changes visuellement, ça veut dire que tu es en train de changer la DA. Tu peux pas me dire que c'est daté en fait. Parce que ça correspond à la direction artistique. Il y a aucune il y a rien qui soit de l'ordre du technique entre guillemets. On n'est pas dans une époque pixelisée ou comment ça s'appelle ou polygonée. Je sais pas si on dit polygonée. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent travailler sur le clipping. Ouais, mais alors ça n'a. Oui, mais ça n'a strictement rien à voir. Le clipping, personne fera la diff. C'est comme les choses. Enfin, le clipping fera partie de ces choses où on les voit. Enfin, il fait partie de ces choses où on les voit quand elles ne sont pas là. Le clipping, quand il merde, tu le vois. Sinon, le reste du temps, tu le vois pas. Donc le jour où ils font le... Oui, ils peuvent corriger le clipping. Oui, bien sûr. Ils peuvent modifier techniquement le système de clipping. Bien sûr, évidemment. Mais ça, pour le coup, ça normalement ne devrait strictement rien changer au jeu. Normalement. Tu vois ce que je veux dire? Et bonsoir. Gears. Un exemple, Star Wars 4, 5, 6. En l'an 2000, ils ont refait le film avec de nouvelles scènes et le graphisme. Ouais, mais est-ce que c'était bon? Moi si, mais non. Mais non, parce que tu vois le clipping quand il est... Tu vois le clipping quand il marche pas. Là, typiquement, je l'ai expliqué, je l'ai dit en arrivant sur cette planète, j'ai une galère de génération de terrain, enfin de végétation. Donc évidemment, tu le vois, mais dans l'autre sens, tu le verrais pas. C'est les choses qui brillent par leur absence. Alors, est-ce que vite fait... Ah non, mais c'est dur non plus, je suis con. Regardez comme c'est beau cette couleur. Non? Ou pas, ce filtre de nocturne verdâtre. Perso, j'aime beaucoup. Perso, j'aime vraiment beaucoup. Par contre, alors attends, parce que du coup, j'ai quand même plusieurs missions. Si je peux pas faire celle-là tout de suite, je peux peut-être faire les autres. On avait Trésor, Trésor, Monstruosité, Sentinelle. Alors, il suffirait que je trouve un bâtiment abandonné. Éventuellement, je peux faire ça. Sinon, après, il y a les planètes mortes dans le coin. Donc, au pire, il y a une planète morte et on revient là après. Non, on va voir. On va voir.
survol et on va essayer de repérer ce qu'on veut. Ils peuvent créer des mécaniques diégétiques qui collent plus à l'immersion du jeu. Je sais pas ce que ça veut dire diégétique. Il faut qu'ils remettent les anciens nuages tout plat et merdique. Perso, je trouve que le jeu est déjà une prouesse technique. Ah bah oui, carrément, Benjamin. Oui, non mais ça nous sommes d'accord. Après, on pinaille, enfin on pinaille. Non, on est exigeant parce qu'on kiffe le jeu, tu vois, et qu'on en voudrait le maximum en fait. Mais oui, bien sûr, évidemment que le jeu est déjà techniquement incroyable. Nous sommes bien d'accord. Et que les limitations qu'il a sont, on les accepte parce que l'expérience de jeu, parce que c'est une expérience qui est proposée, qui est complètement déjà complètement originale. Et qui est assez dingue, en fait. Je cherche vite fait en survol, voir si je trouve éventuellement un bâtiment abandonné, sinon on le fera en cartographie, mais tant qu'à faire, survol ça se fait aussi. J'avais une antenne, mais c'est pas ce que je cherche du coup. Là on n'a pas grand-chose. Alors si éventuellement un bâtiment abandonné, je pourrais l'avoir sur une île. Éventuellement. Parce que là j'ai pas des masses de bâtiments. Ouais, tu sais quoi, on va le faire à la cartographie. Ou alors attends, attendez, il se concentre, il y a normalement une planète morte là-dedans, donc on va aller voir et je reviens après. Je te donne un exemple qui me tient à cœur, dit-il. J'attends la suite. Je crois que c'est celle-là, la planète morte. Peut-être. Oui, c'est ça. Yes. Bah go. On va choper les trois monstruosités qu'il nous faut pour la mission et puis on revient là après. Non, moi pour moi il y a un problème de il y a un problème d'homogénéité et c'est sur ça qu'ils devraient bosser, je pense. Alors c'est une ruine ça? Parce que si c'est une ruine, ça me fait mon trésor. Oui, parfait. Nickel. Ok, donc ça nous en fait deux d'un coup. On va faire le trésor enfoui. Alors, normalement, mon micro est allumé, je ne sais pas, j'ai l'impression que je me suis emmêlé les pinceaux, vous me direz si vous m'entendez ou pas. Donc, ça veut dire que je peux faire le trésor, et dans la foulée, je peux faire les monstruosités. Monstruosités, je sais pas combien il m'en faut. J'en ai fait des monstruosités, j'en ai fait sur Planète Morte, et ce qui est top, c'est que avec la low gravité, tu fais tout en mode. On dit. Tu fais tout depuis le ciel. Tac, tac. Il en faut combien? Sais pas. As-tu accompli la quête principale du jeu en stream? Non. Non, Gears, j'ai pas voulu spoiler les gens. J'ai pas finalisé la quête histoire en stream. Alors attends, on va faire ça déjà. On va demander la direction. Je rappelle qu'il y a des nouveaux mots. On n'en finira jamais, hein, je vous le dis. Il y a des nouveaux mots suite aux dernières interactions, notamment avec les frégates, je crois. Elles sont où les deux autres? Elles sont où les autres? Elles sont là. Et tombé. Pas vu, mais je suis tombé. Allô, allô. Ok, donc ça marche. Tac. Et là, on va demander la destination. Nickel. Non, t'entends pas? Dommage. Tant pis. C'est con, je dis des trucs intéressants en plus. J'attends que Full Metal Inks me donne son exemple qui lui tient à cœur. Tu vois, typiquement, les ruines, elles ont pas besoin d'être faites. La seule raison pourquoi elles devraient être faites, c'est pour matcher la nouvelle DA de construction en pierre. C'est tout. Mais sinon, elles auraient pas eu besoin. Alors après oui, ça fait joli sur la photo, hein, s'ils les refont, mais c'est pas un besoin.
C'est ça que je veux dire. Alors, si, je vous jure, vous allez me voir battre, me combattre des monstruosités. Si, c'est possible. Ça s'appelle un bombardement. Et là! Et là! J'adore. Je l'ai fait l'autre fois en. Du coup, en faible gravité, c'est trop bien. T'as même pas besoin de s'être construire ou quoi? Allez là! Allez-vous-en! Il suffit. Ah, mais encore! Il suffit! Bande de sauvages! Jusqu'à ce que mort s'en suive, disait-il. Ah, j'ai bientôt plus de jetpack. Allez, allez. Voilà, c'est cuit. Nickel. Et la mission est finie, normalement. C'est beau. Alors, c'est diégétique, ça ne sort pas de nulle part. Alors, attends. Au lieu de faire. Attends. Le bug du halo. Alors, au lieu de faire apparaître un menu à l'écran, ce menu pourrait apparaître en hologramme sur un appareil que tu porterais sur toi. C'est diégétique, ça ne sort pas de nulle part. Ok. Ça, on verra pour le menu rapide, car sur l'avant-bras gauche du perso, c'est assez top. Oui, tout à fait. Comme un pip. Un pip. Oui, je comprends. Je comprends, je comprends. Je comprends l'idée. Mais pourquoi faire? C'est vrai, vrai, c'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est une réelle, sincère, vraie question. Je connais la réponse, hein. Je connais la réponse. Parce que ce serait vachement cool, ce serait vachement chouette, et ce serait vachement pratique, vachement sympa. Mais ça ferait pas plus 2024 que ce qu'on a. Tu comprends mon point de vue? C'est le changer pour le changer. C'est ce que je disais, c'est que je pense que ça, pour le coup, alors oui, ça ferait joli, ce serait sympa sur la photo, mais je pense que si les mises à jour de No Man's Sky sont juste sur on va le faire parce qu'on peut et que c'est joli, on va passer à côté d'un truc. Je pense. Et d'ailleurs, beaucoup de mages n'étaient pas dans ce cas-là. Elles n'étaient pas dans cette démarche-là. Et heureusement. Après là, encore une fois, hein, un exemple comme ça, on s'appelle, à part du reste, enfin isolé du reste, évidemment que je suis pas contre, hein, et que ce serait vachement joli, et que ce serait vachement cool, et que j'aimerais sûrement beaucoup. Évidemment, il n'y a pas trop de doute, tu vois. J'ai rien contre. Je dis simplement le... Si on, si les, si les contenus, enfin si les mises à jour ont ce chemin-là, on va vraiment passer à côté d'un truc. Et eux aussi, pour le coup. Parce que ce qui compte, je vais le dire comme ça, mais bonsoir Abrasax. Ce qui compte, et bonsoir Cebu. C'est pas comment on t'affiche ton info. Ce qui compte, c'est quelle info on t'affiche, en fait. Et j'en reviens à cette histoire des missions week-end, des missions week-end, des missions de la station spatiale qui te permet de up ta réputation dans les guildes et dans les races. Tu peux me le mettre en hologramme sur le poignet. La quête, elle sera pas plus excitante. Tu vois? Donc, pour finir avec ça, c'est que si on devait se dire, bah tiens, allons dans ce sens-là, c'est-à-dire faisons les trucs cool, chouette, fun et techniquement possible aujourd'hui en 2024 parce qu'on a les capacités techniques et qu'accessoirement le moteur le permet et qu'accessoirement les machines le permettent, on va passer à côté du plus important, c'est-à-dire le gameplay, quoi. C'est ça que. Tu vois?
Complètement que si, ce serait hyper immersif. Ouais, mais ça changerait strictement rien en fait à l'affaire, Full Metal. Tu peux me dire que ce sera hyper immersif. Ouais, je suis d'accord avec toi, sûrement. Mais ça change rien. Ça ne change strictement rien. Que ton, je veux dire, la mission pour laquelle t'auras ton hologramme sur le poignet, si elle change pas, c'est pas le, ça ne change rien. Tu peux mettre un joli hologramme sur le poignet. C'est l'exemple même des stations spatiales. À quoi bon tout pouvoir personnaliser si tu ne peux pas profiter à fond de la vision de ton propre personnage? Non, mais si tu veux, Full Metal Inks, peu importe, si tu veux, je veux bien que tu, je veux bien qu'on exauce ta liste de souhaits. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On met ça sur le poignet, machin, tout ça. Mais le cœur du truc n'est pas là. C'est ça que je dis, en fait. C'est ça que je dis. Et de la même façon que les stations spatiales, ce dont elles avaient besoin, c'est pas forcément que ça ressemble à, que ce soit fluo et super joli. C'était pas ça le centre du truc. C'était pas là que ça pêchait, en fait. Tu vois? C'est ça que je veux dire. Après, évidemment que moi je veux rien vous retirer du tout et que, je l'ai, oui, je l'ai pris. Et que n'importe quel ajout qui vous fait plaisir, c'est cool. Il n'y a pas de problème. Encore une fois, il n'y a aucun problème. Si c'est cool pour vous d'avoir l'hologramme sur le poignet, demain matin on met l'hologramme sur le poignet, pas de problème. Mais on passera à côté du truc. Ce qui compte, c'est pas la manière dont t'affiches l'info, c'est l'info que t'affiches. C'est, je peux pas dire mieux. Je peux pas dire mieux. Là, en l'occurrence, et tu vois, pour avoir fait, je les ai fait hier. J'en ai fait beaucoup hier des missions de la station spatiale. Quand tu te retrouves avec, il faut que j'en fasse 80, je crois, un truc comme ça. Enfin, il faut que j'en fasse beaucoup, tu vois. Ben, en fait, alors tu peux me les mettre en hologramme sur le vaisseau ou sur le poignet, hein. Voilà. C'est peut-être un détail, mais ça a son importance énorme pour moi, mais je suis peut-être minoritaire. Non, mais en fait, Full Metal Inks, en fait, on a déjà parlé de l'immersion un milliard de fois. La question, si c'est plus immersif pour toi, il n'y a pas de problème. Vraiment. Sincèrement. Il n'y a aucun problème sur la question de l'immersion. Si toi, t'en as envie, et si tu trouves que c'est plus immersif, l'option devrait être dedans. J'ai zéro souci. Mais, voilà. Ce qui serait plus immersif, c'est que je me pose et que le message qui pop pour me dire, hé, hey, au fait, ta mission, il soit impliquant, il soit immersif. Tu vois, ce qui là n'est pas le cas. C'est ça que je veux dire. Attends, parce que du coup, non, ici, en fait, je suis bon. Ça, c'est fait. Et il ne les a pas comptés. Ou alors il veut que je les fasse ailleurs? Merde! Bah flûte alors, pourquoi il l'a pas validé? Je suis très déçu. Localiser un site de fouille, ça. Putain, mais il m'en coûte aucune, qu'est-ce que ce délire? Ça, j'ai pas eu le temps de le finir, ça ok. Alors pourquoi celle-là, par exemple? Parce qu'il me donne pas de destination pour le faire. Bah flûte alors, s'il me valide pas mes missions, ça va être autre chose, tiens. Ok. Celle-là. Là, pour l'instant, il me parle que de l'œuf, alors que moi, je follow autre chose. Attends, si. La tactique de lâche, la cible se trouve dans un autre système. Ah, ok. Donc là, il y a peut-être quand même un truc. Attendez. Mon émission, c'est autre chose, mais on peut aussi améliorer ça. Oui, mais du coup, et du coup, en fait, Full Metal Inks, c'est pour finir sur le sujet. Si tu m'as bien entendu, en fait, j'ai validé tout ce que tu as envie. Tout ce que tu as envie de mettre dans le jeu, je le mets. Mais c'est pas ça c'est pas le plus important, en fait. C'est littéralement pas le plus important. Et quand tu me dis c'est un autre sujet, oui, c'est un autre sujet. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens demandent comme toi. Tu vois? On s'en refile. Moi, perso, je ne veux plus d'ajout. Une mage concernant les stations m'a cassé la végétation planétaire. Quel rapport? Une mage et 3 semaines de correctif à venir. On ne touche plus à rien. alors, attends. J'essaye de comprendre ce qu'il veut le jeu, parce que là, en fait, il valide pas mon truc.
Et du coup, le metagaming, c'est ce que je disais, c'est que on ne peut pas se laisser. Je vais. Alors, c'est pas les bons mots, mais on ne peut pas se laisser leurrer par le fancy joli. Tu vois? Oui, l'hologramme, il est vachement chouette. Ok, pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il te dit, l'hologramme, en fait? Bah, c'est pas une lampe de chevet. T'as pas une lampe de chevet sur le poignet. T'as un truc qui te parle. Mission terminée. Donc là, il m'a validé celle-là. Qui était il y a une plombe. Ok. Par contre, il m'a rien validé d'autre. Ok, bon. Bon, écoute, on va essayer de suivre ce que dit le jeu, mais j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Puis moi, je voulais quand même finir ma planète. Donc, on va finir la planète avant. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et qu'il était libre. Non, non, mais enfin, les gens me connaissent. J'ai aucun problème sur les. Je veux dire, tu vois, les gens demandaient la customisation de vaisseau, ils ont eu la customisation de vaisseau. Il n'y a pas de. Voilà, en plus, ils ont fait ça intelligemment, donc c'est cool. Enfin, tous les ajouts que vous demandez, en fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est juste que, moi, je rappelle que le cœur, il n'est pas sur. Le cœur, il n'est pas là, en fait. Je rappelle juste ça. Après, j'ai jamais. Encore une fois, hein, si ça m'enlève rien, ça vous rajoute quelque chose, c'est cool. C'est carrément cool, en fait. On sent Mick. Et je dis ça depuis 2016. Ça m'enlève rien et vous, ça vous fait plaisir. Bon bah vas-y, go. Fais ça. Fais ça. Mais faut pas se. Par exemple, je vais donner un exemple. Alors c'est pas ton cas, Full Metallic, je pense pas, mais quelqu'un qui dirait ouais, mais je commence à plus avoir le goût de jouer à No Man's Sky, fait chier, machin, tout ça. Un hologramme sur le poignet, il en a rien à secouer. Hein. Puis littéralement, tu vois. Je vais. Faire remarquer quand même qu'on est week-end de vacances, qu'il y a la mise à jour de création de vaisseau qui est sortie, et ce week-end, il y avait 16 000 personnes sur No Man's Sky, sur Steam. C'est-à-dire, average vraiment, quoi. Une valeur moyenne. Tu vois? Oh, archive! Cool. Allez! Allez, tu peux. Non, tu veux pas? Il veut pas. Attendez, je fais le tour, on revient. Pulsolag, c'est rigolo ça. Tu vas rire, Blind Vador, mais j'ai même eu un défaut de capture du jeu hier. Hier, j'ai voulu record un truc. J'ai voulu enregistrer une petite séquence dans mon jeu. Et elle était pas. Le jeu n'était pas détecté par OBS. Est-ce que la malle sur Switch arrive bientôt? J'en ai aucune idée, mon pauvre Kratos. Je suis vraiment désolé. Je sais pas du tout. C'est rien, y a rien qui est annoncé. Alors, si on parle juste de réajustement post-2020, ce sont les détails qui sont juste des must-have à notre époque. Ben non, mais en fait, je suis juste pas d'accord avec ça. C'est, en fait, je suis littéralement pas d'accord avec cette phrase. T'as pas l'air au top ce soir? Mais si, carrément. Si, si, carrément, Mick. Si, si, si. Complètement. Très bonne humeur, tout ça. Je suis littéralement pas d'accord avec cette expression-là, Full Metal Inks. Justement. Ce sont des détails qui sont juste des must-have à notre époque. Il n'y a pas de must-have dans un jeu vidéo. Il n'y a pas de must-have dans un jeu vidéo. Pardon, mais c'est de l'ordre du. S'il y avait des must-have, ça veut dire qu'il n'y aurait que des jeux moyens. Ça veut dire que tous les jeux seraient dans la moyenne parce qu'ils auraient tous les must-have. Il faut avoir ça, il faut avoir ça, il faut avoir ça, et il faut avoir ça dans ton jeu. Il faut pouvoir s'accroupir dans ton jeu. Ok, vas-y. Mais par contre, on n'a qu'une seule animation pour l'ensemble des jeux vidéo où les joueurs s'accroupissent. Hein, par contre, on n'en a pas deux. Hein. Ok, c'est pas grave. Non, non, le must-have en jeu vidéo, no way, quoi. Justement. Justement. Ah, mais il faut un world boss. Bah, pourquoi? Alors. On est quand même censé trouver le dernier avant de partir, mais on va pas y arriver non plus. Je sens que ça va mal se passer. Je suis à 6 sur 9. Ouais, donc en plus là, ça marchera pas. Il est censé être diurne et terrestre. Je lui donne 2 minutes. Top chrono. Ah ben non, je reparle pas. Moi, je ne reparle jamais de Starfield, c'est vous qu'en parlez. Alors, le jeu, ce jeu, c'est la proposition de 2016. Il est dommage que
Et autant diverger vers plein d'autres propositions qui ne sont pas finalisées. J'aurais préféré qu'ils restent sur leur axe, moi aussi. Et le mode photo dans un jeu vidéo, est-ce que c'est un must-have? Le fait de pouvoir cacher l'interface, ouais. Ben j'adore, tu vois. J'ai fait sur les 4 jeux que j'ai fait dernièrement, il y en a la moitié qui ont des modes photo, la moitié qui n'en ont pas. Mais simplement, ils ont prévu que tu puisses cacher l'interface. Donc oui, peut-être un must-have, j'ai dû le dire comme ça en plus. J'ai dû le dire comme ça. Il faut que tu puisses faire des photos dans ton jeu, bien sûr. Mais en même temps, la capture d'écran, c'est possible. Dans tous les jeux, pour le coup. Puisque ça dépend pas du jeu. Après, le mode photo, oui, non, comme j'ai eu l'occasion évidemment de le dire, que le jeu vidéo c'était un must-have. Mais si Dark Souls te dit tu vas te faire foutre avec ton mode photo, ça m'emmerde, j'ai pas envie de travailler là-dessus, et je préfère aller travailler sur les patterns des boss, je vais dire ok. Tu vois? Tu sais. Oui, pour moi c'est important d'avoir un mode photo. Maintenant, si jamais tu peux juste cacher l'interface, ça suffit. Allez, fais un effort le jeu. Yes, il est là. Ok, bon, au moins on n'aura pas tout perdu. Faut juste attendre qu'il sorte du sol. Et je l'ai raté. Non, c'est bon. Valide. Ok, on est bon. Nickel. Alors, ça c'est bon. Et. Alors, je disais ça c'est bon, mais il serait bien que je les envoyasse. Pas sûr. Ben non. Ok. Donc on est bon. On essaye de se concentrer sur les missions. Donc on avait. Cette mission nourriture, on peut pas. Et il y avait un truc là-dessus, c'est laquelle où il voulait m'envoyer quelque part. Escadron sentinelle détruit, ça c'est au sol. Donc normalement je peux le faire via un bâtiment sécurisé, ça se fait. Ok. Jamais compris le truc, mais quand cela plaît à tous, comme le selfie sur WoW. Trouver les bonnes coordonnées. Ah bah c'est bizarre, Maximus. Je t'ai kiné, bien sûr, je comprends ton raisonnement. Oui, non mais après, on a tous nos contradictions, qu'à un moment donné, je dise que le mode photo c'est un must-have, évidemment, je peux entendre. Je peux entendre qu'on pourrait me renvoyer dans la tronche, bah non, tu viens de dire qu'il n'y a pas de must-have dans les jeux vidéo. Bah ouais, t'as raison. T'as carrément raison. Il n'y a pas de must-have, même le mode photo c'en est pas un. Et en soi, c'est pas faux. Et en soi, c'est pas faux, le développeur il fait un peu ce qu'il veut en fait. Tu vois, je vais exagérer, mais c'est comme de dire le ray tracing c'est un must-have en 2024. Bah en fait non. Bah en fait non. Comme le reste. Comme le reste. Alors après, ça peut ne pas te plaire. Ça peut ne pas te plaire. Mais en attendant, c'est comme ça que ça marche. Et les développeurs, ils ont décidé que leur jeu il était comme ça. Puis c'est tout. Tu vois, c'est. Après, j'entends que ça puisse pas plaire. Détresse. Bâtiment sécurisé, on n'avait pas une cartographie exprès, normalement si, hein. Ouais, ça va être compliqué ici, on va se galérer. Alors attendez, on va la faire autrement. On va la faire autrement. Quelle mission m'envoyait vers un endroit spécifique? Voilà, c'est ça, dans un autre système. Ok, vas-y, on fait ça, comme ça je passe chez le cartographe en arrivant. On va faire ça, peut-être plus simple. C'est quoi la vue? La touche pour changer la vue du perso, s'il te plaît. Alors, file, il n'y a pas de touche en soi, c'est via le menu rapide. Mais si tu joues sur PC, tu peux paramétrer une touche particulière. Mais de base, c'est via le menu rapide que tu changes de. Et tu vois, elles sont. Ah non, les trois sont annoncées là. Ok, ça va. Ok, ça va. On va y arriver. Est-ce que Dark Souls n'est pas là pour te faire plaisir, mais souffrir? Rien ne vaut un bon pattern mesquin. Oui, c'est vrai. Alors du coup, il doit s'améliorer avec les évolutions du gaming actuel, et tant mieux s'il le fait, et maintenant la DA originale. Mais je suis pas d'accord. Je me tiens pour le must-have, pour une raison simple. No Man's Sky a réussi comme rarement à traverser les époques du gaming, et il est amené à évoluer. Eh ben, en fait, tu donnes l'argument qui donne tort, en fait, Full Metal Inks. Pour être un gros joueur, le must-have est tout simplement le jeu pour lequel tu veux vivre l'expérience que tu voulais. Yep, je suis d'accord avec ça, Kratos. Tu donnes l'argument, en fait, Full Metal Inks. Il a traversé les époques. Et pourquoi il a traversé les époques? Parce que il a une direction artistique qui était suffisamment forte pour ne pas être daté au départ. Au départ. Au départ, il n'est pas daté. C'est comme. Alors, je vais donner un exemple complètement pété, mais. Terraria. Terraria,
la DA ou Stardew Valley ou ces trucs comme ça. Ils sont entre guillemets intemporels. Si demain tu fais Stardew Valley, tu le fais exactement pareil. Tu le fais exactement pareil. Alors tu vas me dire oui, c'est du pixel art, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Mais j'espère que je vais arriver à faire mes missions, mais je suis même pas sûr. Si, on va y arriver. Et justement, No Man's Sky traverse les époques. 1, parce que les développeurs lâchent pas. 2, parce qu'ils mettent des contenus. 3, parce qu'ils ont une DA qui est intemporelle. Tu vois? Typiquement, je vais reprendre mon exemple complètement pété de tout à l'heure. Oui, grâce au contenu, oui. Grâce au contenu et à la DA. Fullmetal Inc. aurait le Tomb Raider d'origine, qui aurait pris des mises à jour tous les 3 mois jusqu'à maintenant, jamais il aurait survécu. Tu vois ce que je veux dire? 2016, il sort avec une DA qui est solide. Tu aimes ou tu aimes pas. Je parle pas de rendu technique, hein, je parle de direction artistique. Et à partir de là, ça le fait en fait. Et à partir de là, il trace. À partir de là, il trace sa route. Alors, est-ce qu'il m'autorise à faire ma mission ici du coup? C'est compliqué le jeu là. Tu vois, le fait que je puisse pas les faire n'importe où, ça aussi c'est chiant. Alors, chaque jeu a sa forme de singularité qui permet d'être un must-have à part entière pour chacun. Pas fou. Alors, par contre, on est d'accord que No Man's Sky, pour moi, se classe difficilement dans les catégories des jeux de 2024. Bah, il 24. Vraie question. Il me semble que oui. J'ai regardé mon calendrier il y a quelques jours, mais il me semble qu'on est en 2024. La DA de Pong est encore solide. Tout à fait. Tout à fait. C'est par où? Tout droit. Ok, là-bas, a priori. Compliqué, compliqué. C'est compliqué. Alors, par là? Ouais. Ok, tout à fait d'accord avec toi, mais quand même, on peut faire évoluer les mécaniques de gameplay pour rester dans l'air du temps. Eh ben oui, mais nous disons on dit la même chose, Fullmetal Inc. Faire évoluer les mécaniques de gameplay. Pas le shiny de l'interface, savoir si c'est un hologramme ou pas. C'est du bonus. Le cœur du gameplay, il n'est pas dans l'hologramme qui te donne la mission, il est dans la mission. C'est ça que je te dis. Donc nous sommes d'accord. Tu peux faire évoluer les mécaniques. Nous sommes bien d'accord. Du coup, mon vaisseau est loin. Moi, je voulais dire les jeux de notre époque. Mais ça veut dire quoi, les jeux de notre époque? Ça veut rien dire, Vampire Loup. Ça veut rien dire, en fait. Les jeux de notre époque supposeraient que... Tous les jeux soient pareils. Je veux dire, alors je reprends l'exemple de Terra, j'ai pas d'exemple récent, mais des jeux en pixel art, il en sort tous les ans. Toute l'année. Tout le temps. En pixel. C'est pas des jeux de 2024? C'est pas des jeux de notre époque? Quand Stardew Valley 2, alors c'est pas ça, mais quand Stardew Valley 2 il sort en 2024, c'est pas un jeu de 2024? Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, un jeu de 2024, ça veut... Enfin, c'est compliqué. On est en 2024, le jeu il est jouable, il y a des mises à jour, c'est un jeu de 2024, entre guillemets. Tu vois? Après, je comprends l'idée, hein, mais je vous montre aussi le raisonnement. Déjà, ils incluaient dans le jeu de base les mécaniques de VR, et pour No Man's Sky, je rajouterais bien un peu de... bien tout plein de marins, ouais, j'avoue. Non, mais tu vois, typiquement, tu reçois un message. Aujourd'hui, tu reçois un message. T'as un hologramme en plus. Est-ce que ça a changé strictement quoi que ce soit? Que dalle! Tu reçois un message quand tu vas te poser sur ta frégate, t'as le PNJ de ta frégate qui s'affiche. Ça a changé quelque chose? Non. Il te propose quand même de scanner la planète d'où tu viens. Donc en fait, le cœur, il est pas là.
Alors, les clés, je farme du coup, on en a parlé l'autre jour, mais les clés, je les prends toutes, puisque c'est des récompenses, enfin c'est des récompenses, c'est des items qui peuvent être donnés pour la guilde des explorateurs, donc même si vous n'en avez besoin que de 3 pour faire le coffre-fort, enfin le coffre-trésor plutôt, coffre-fort peut-être pas, faut pas les clés, si vous avez, même s'il vous en faut que 3 pour faire le coffre-trésor, n'hésitez pas à prendre toutes les clés, parce qu'elles vous seront de toute façon... Enfin, vous pourrez de toute façon les donner aux représentants de la guilde des explorateurs. Ah, c'est parce qu'on ne donne pas autant d'importance, toi et moi, à l'importance du monde ouvert. Moi, j'ai besoin d'immersion toujours plus profonde. Ouais, mais en fait, Full Metal Links, encore une fois. Le problème, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé. En fait, je pense on n'est pas d'accord. D'office, nous ne sommes pas d'accord sur la question de l'immersion. On ne sait pas la définir de la même façon. Donc, à partir de là, on ne peut pas se mettre d'accord sur ça. Tu vois? Ça n'empêche pas qu'on dise la même chose. Simplement, on n'a pas la même définition. Est-ce qu'il reste affiché? Oui, hein. On n'a pas la même définition de ce qu'est l'immersion. Pour moi, un hologramme ne rend pas le jeu plus immersif. Voilà. Alors, t'as énormément de jeux indés en 2024, il n'y en a jamais eu autant, et ce sont pour une bonne partie des bonnes pépites, parce que la DA ou le concept de base sont attrayants et fonctionnels. Parce que peu importe comment le jeu est. Effet, must have ou pas, si les joueurs se plaisent, alors ça suffit aussi, ça je suis d'accord. Alors les hologrammes partout pour remplacer les interfaces, ça colle clairement pas à l'esthétique de No Man's Sky, on n'est pas si Reddit Dangerous. Oui, lol, c'est un débat sans fin entre nous depuis 2018. Oui, c'est ça. Mais parce qu'on ne sait pas définir le mot en fait, parce qu'on n'a pas réussi à trouver de définition commune pour le mot. Et on n'en trouvera jamais. Puisqu'on est sur le on est sur le cœur même du mot. Qu'est-ce que c'est l'immersion? Vu qu'on n'est pas d'accord, vu qu'on ne sait pas définir l'immersion de la même façon, enfin, on ne sait pas trouver une définition commune à l'immersion, on ne pourra pas se mettre d'accord sur l'importance d'un hologramme sur le poignet ou pas, en fait. Ouais, typiquement, je vais être taquin, hein, mais un hologramme sur le poignet, ça fait tellement années 80. C'est-à-dire la science-fiction des années 80, on imaginait qu'il y avait des hologrammes qui sortaient de... Enfin, même avant les années 80, on avait des hologrammes qui sortaient d'un petit projecteur sur un robot à roulettes, quoi. C'est tellement pas d'actualité. Alors que logiquement, normalement, dans mon casque, là, j'imagine bien que j'ai des écouteurs. J'ai probablement d'ailleurs comment on dit? Une réalité augmentée sur ma visière. Probablement que je la vois d'ailleurs quand j'utilise ma visière, la réalité augmentée. Alors, je taquine, hein, je taquine. Par contre, est-ce que ça me valide les deux? J'aimerais bien en vrai. J'aimerais vraiment bien que ça me valide les deux missions d'un coup. Mais à mon avis, ça marchera pas. Retour vers le futur. Alors, ça m'en valide une, mais est-ce que ça valide l'autre? Mon avis, non. À mon avis, non. C'est ça, tu vois, ça m'a pas validé l'autre, et là, il va m'envoyer ailleurs. Rechercher un emplacement, suivre les coordonnées de l'équipe pour trouver des indices. Ah, si! Mais peut-être qu'on est... m'a donné une autre icône. Attendez. Attends. D'ailleurs, je sais plus qui a posé la question tout à l'heure pour la touche. Qui a posé la question tout à l'heure pour la touche pour la troisième personne? R2D2 salue avec son hologramme. Tout à fait. Mais en fait, oui, mais Full Metal Links, nous ne pouvons pas nous mettre d'accord. Il faut que tu, moi j'en ai fait le deuil, hein. Il faut que tu en fasses le deuil également. Nous ne pouvons pas nous mettre d'accord. On a un désaccord de fond, alors c'est en toute amitié, hein, en toute voilà, mais on a un désaccord de fond sur la définition de l'immersion.
Et si on ne peut pas, et on a déjà essayé, rappelle-toi, si on ne peut pas se mettre d'accord sur un terme, qui est le sujet même, on pourra pas se mettre d'accord. Mais c'est pas grave. C'était quoi du coup le but de ce soir en lien avec les missions de station spatiale? Oui, c'est ça, Vampire Loup. J'essaye de finaliser j'essaye de finaliser tranquillement mes réputations pour être une fois pour toutes sorties du sable. Et du coup, on a parlé entre-temps de d'autres choses. Mais oui, le but Vampire Loup ce soir, c'est clairement d'essayer d'avancer sur les mission et avec un peu de chance à un moment donné le jeu va nous proposer un truc sympa en termes planétaires. Au passage, l'hologramme de R2-D2, c'est les années 70, je dis ça, j'ai un... Oui, c'est pour ça que je me suis repris Blend Vador. C'est pour ça que je me suis repris parce que j'ai dit années 80, puis j'ai dit même avant, parce que c'est les années 70, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Où est la ruine? Où est la deuxième ruine? Tu vois, typiquement, je trouverais ça. Je vais taquiner, puis comme ça on va pouvoir clore le débat de l'immersion ou pas de l'immersion, mais au lieu de me dire, mais salut Hérode, bonsoir le Solarien, bonsoir à vous. Au lieu de me dire, va sur l'icône A, B, C, D ou E ou F pour aller trouver une ruine, et spécifiquement la ruine que je veux que tu trouves, parce qu'en fait il me l'a pas dit, juste comme ça. Localiser le site de fouille, localiser un trésor enterré. Le client a fait machin. Il cherche des fragments du passé pour pouvoir reconstruire la culture spécifique de nos ancêtres. Il cherche un explorateur pour l'aider. Tout artefact découvert restera la propriété de son découvreur. Il demande qu'un accès aux données de scénographie au côté machin. Le client demande à l'agent de terrain de fournir son équipement. Alors, des indices concernant les sites de fouille peuvent être découverts à proximité d'autres ruines historiques. Fournissez des artefacts extraterrestres pour accéder aux anciens registres. Ok, mais dans ce cas-là, laisse-moi le chercher en fait. Va pas me dire, tu vois, me dis pas c'est celle-là. Ou alors tu me le dis autrement. Le client a repéré une ruine mais n'est pas en mesure de trouver le trésor. Est-ce que vous pouvez l'aider? Ok, vas-y, j'y vais, elle est où? Ce serait plus immersif. Ça va, on rigole. Et bonsoir, Bobatag. Bonsoir à toi. Alors, où est-ce que c'est là? Calme-toi. Envie de se casser un genou. Bon, la bonne nouvelle étant quand même, on va le dire à la fin, la bonne nouvelle étant quand même que comment s'appelle? Que la mise à jour est sortie sur Xbox et il était temps. Et donc c'est cool, et j'espère les Switch cette semaine aussi. On sait pas du tout où ça en est, donc ça va être la surprise. Mais j'espère. C'est quoi? On va prendre le Sentinelle. 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 Faut que je me débarrasse d'un des deux Sentinelles, je pense que je vais garder le blanc. En vrai. Je sais pas, on verra. On verra. Je vais peut-être garder l'inspecteur, on ne sait pas. Alors, mission, c'est par là. Ouais, parce que mine de rien, j'ai déjà fait un carnage. C'est pour ça que j'ai le pilier sentinelle. Parce que j'ai déjà fait un carnage chez les champs de sentinelle. Parce que j'avais déjà fait d'autres missions. Et là, il m'a ramené au même endroit. Et je dois avoir encore des missions, me semble-t-il. Je crois. Par contre, je sais pas si ça les valide avec le pilier. Ah, ben non, parce qu'en plus, je vais pas avoir de quadrupède. Je crois pas. Vérifier. Bon, moralité, on fait vite fait le deuxième trésor là. En tout cas, beaucoup plus ludique. Oui, ah bah ça, on est d'accord. Là, pour le coup, on est d'accord. Ludique, on peut se retrouver sur le mot là. Il n'y a pas de problème. Bah, surtout qu'en plus, ils m'ont filé, je veux dire, ils m'ont filé quand même tous les outils pour le faire. Tu vois? C'est pas comme si j'étais alors là pour le coup on va dire 2016. C'est pas comme si j'étais en 2016 et que j'ai pas de cartographie et que je me débrouille avec ce qu'il y a sur la map, machin, tout ça. Tu vois? Aujourd'hui, je peux acheter des cartes, je peux localiser des ruines, je peux localiser des trésors, je peux, enfin, tu vois, j'ai toutes les mécaniques qui me permettent de le faire. Donc ce serait plus, enfin, de mon point de vue, après, ça n'est que moi, mais de mon point de vue, ce serait plus intéressant du coup que ce soit porté comme ça.
Est-ce qu'il y a possibilité que tu m'aides à chasser des trésors? A priori, il y en a pas mal dans le système. Est-ce que tu pourrais m'en ramener un ou deux? Ouais, pas de problème, je te fais ça, tu vois. Ou tiens, j'ai localisé une zone, mais par contre, je peux pas y accéder parce que j'ai pas les bons équipements. Ok, vas-y, j'y vais. Par contre, j'exige 50% de la récompense, par exemple, tu vois. Parce que pareil, là, je pourrais typiquement. Qu'est-ce qui se passe? J'extrapole. Hein. J'extrapole. Tu savais que l'on pouvait voir la distance du lieu de mission en bas à gauche au lieu d'utiliser la visière, j'ai découvert récemment. Ah bon? Tout le monde est prêt pour le meet-up demain. Non, pas du tout. Non, mais par exemple, qu'est-ce qui se passe quand je vais être full réputation? Tu vois, un des éléments de game design qu'on oublie souvent, mais il y a des gens qui, à un moment donné, arrivent au bout du jeu. Qui arrive au bout de la. Enfin, pas au bout du jeu, mais. Parce qu'en l'occurrence, sur No Man's Sky, je sais que je suis pas arrivé au bout, mais. Sur les réputations et autres choses du même genre. Il aurait été. Enfin, il serait peut-être intéressant. Je ne sais pas. Hein, mais peut-être il serait intéressant au moment où je prends la mission. Ou au moment où je la rends, peut-être. Peut-être plutôt au moment où je la rends, d'ailleurs. Que le jeu me demande, ou en tout cas que le PNJ me demande, si je souhaite augmenter ma réputation ou éventuellement en sous-main récupérer une partie de la récompense. Tu vois? Tu préfères de la thune ou de la réputation? Parce que mine de rien, à un moment donné. Alors bon, on l'a dit, ces quêtes-là sont pas les plus sont pas les plus folles. Il y a des quêtes bien mieux que celles-là, mais la personne qui a envie de les faire, elle est peut-être full répute en fait. Et peut-être full réputation. Du coup, ça vaudrait peut-être le coup de lui filer une option alternative. Bah, si t'es full réputation, t'inquiète, je peux te filer de l'aide et je peux te filer des sous. Tu vois? Par exemple. Ce qui pourrait intéresser certains joueurs d'ailleurs. Hop, donc là on est bon. Donc on a validé les deux, j'ai plein de clés d'avance. C'est cool. Est-ce que éventuellement lien de transmission de l'artefact? Ah ouais, parce qu'en plus faut que je le transmette après, mais oui. Oh! C'est-à-dire faut que je transmette l'autre. Oh! Ok. Oui, la prochaine mission, je te saurai. Yes. Échec dit, les on. Oui, on a vachement le temps de faire la petite base tranquillement. Je me date en tout cas, vraiment fun. Je n'ai pas choisi niveau thème au départ, mais maintenant je suis immergé. Oh, c'est drôle. Non, mais moi aussi, je me suis éclaté sur ma base là. Je me suis éclaté et alors je disais cet après-midi sur le Discord, j'étais même tellement chaud à construire que du coup sur ma base Meetup j'ai quasiment fini, mais que j'étais chaud à, j'étais motivé à refaire ma base du hub. J'étais motivé à refaire ma base du hub. Et entre-temps, j'ai constaté un certain nombre de mini-bugs qui m'ont désespéré. J'ai fait, vas-y, je vais sur Red Dead, ça m'a saoulé. Ça m'a gonflé cet après-midi. Il y a des éléments qui se teintent pas de la bonne couleur et tout, ça m'a fatigué. J'ai dit, bon, allez, va jouer ailleurs, et tu reviendras tout à l'heure, tu seras de bonne humeur. Ouais, c'est ça, faut que je transmette, et du coup. Bon, il veut pas, mais on va se poser quand même. Je crois qu'il y aurait des joueurs qui auraient envie de refaire cette même mission une millième fois, rien que le temps du stream, ça fait 3 fois. Mais c'est possible, Parpin. Il y a des gens qui peuvent apprécier, hein. Eh ben, c'est addictif quand tu t'y mets. Oui, c'est vrai. Et bonsoir, Mathieu. Tiens, serait-ce un vaisseau crafté? Désolé, je débarque. Pas du tout. Absolument pas. Alors, il est où? Il est là. On dirait, on dirait que j'ai fait une Blind Vador. Blind Vador, je suis sûr que tu l'as jamais fait celle-là. Oh, c'est beau. Je suis posé sur quoi? Ah oui, d'accord. Ok. Non, mais tu vois, parce que je cause, et en fait, je m'aperçois pas que mon vaisseau est encastré. Ok. Bon, ben. Il n'y a qu'à dire que c'est pas si pire, hein. J'aurais pu ne pas être dedans, hein. C'est quoi les couleurs là? Blanc? Ah non. Aluminium et jaune. Ok. Ou acier jaune, ça dépend. Donc du coup, pas du tout un vaisseau crafté. Excellent atterrissage, je valide. Merci.
Alors, je souhaiterais diminuer ma réputation et gagner cette bonne réputation, mais rend suspect. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Là, par contre, c'est Team Blanc, hein. La vache. Ils sont tous... Non, pas celui-là, mais... C'est rigolo, ça. Hop, alors. Allez, calmez-vous les Daft Punk, hein. Doucement. Parce que là, tu vois, mine de rien, je leur envoie des trucs qui coûtent une blinde, hein. Non? Ou pas? Non, je les garde, ça va. Ils sont sympas. Ça coûte pas cher, par contre. Ah si, 1,5 million. Ok, mais alors, par contre... Oh, vache, en plus, j'ai gardé ça. C'est pas bon, ça. Attendez. Ah, puis mon vaisseau est pas... Mon cargo est pas dans le système. Ah, ben, super! Ah bah oui, forcément. Donc celle-là est validée, mais est-ce que je peux rendre l'autre au même endroit? Ça m'arrangerait, si c'est possible. Retourner auprès de l'agent de mission. Ah, donc l'autre, ça l'a validé en même temps. Ok, ça a validé les deux missions en même temps. C'est pas si pire. Alors, est-ce que je fais ça vite fait comme ça? Ou... hop, on va faire ça comme ça. Excusez-moi, mais je préfère qu'il soit en sécurité dans mon cargo. Oui, ça va, j'en ai deux. Et tac. Et il me reste le moteur qui est où? Merde. Flûte. Ok. C'est tellement bien rangé mon inventaire, ça m'épate. Donc si, il m'a quand même filé les trois trésors, on va attendre de rendre la mission avant de s'énerver. Mais ok, c'est cool. Alors, ça c'est fait. Les monstruosités, est-ce qu'il les accepte? Ah, il veut que je... Ah, si! Ouais, tu vois. Ok. Ouais, tu sais quoi, on les fait toutes, puis après on ira se balader. Comme ça, on sera bon. Et bonsoir, Rems. Les missions des stations, tu peux les faire sur un autre système? Ça dépend des missions, Rems. C'est bien ça le problème, d'ailleurs. Ça comme ça. C'est bien ça le problème, c'est qu'il y a certaines missions où ils te demandent d'aller spécifiquement à un endroit et c'est ça qui devient chiant en fait. Mais attends, comment ça? Dans le comptoir. Ben, le nombre de fois où j'ai atterri dans le comptoir commercial. Ouais. Et c'est celui-là le vaisseau dont je vous parlais en début de stream. C'est celui-là qui naturellement a plus de stock du fait de ses ailes. C'est celui-là. Allez. Donc certaines missions tu peux, Rems, et d'autres tu peux pas. Quoi que j'avais fini toute l'extérieur et vu que tout est glitch, j'ai dû tout démolir et refaire. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ouais, non, mais il sait bien se poser, Blind Vador. Il fait des trucs bien. Mais on sait pas comment il fait, mais il arrive à faire des trucs bien, ouais. En termes d'atterrissage. Vas-y, il m'en reste deux, puis après on est bien. Fait un petit pont par-dessus le cargo, personne n'y voit rien. Hop. Ça passe. Tu connais pas le raccourci de mettre les items de l'exocombinaison via le cargo sans aller dans l'onglet de l'exocombinaison? Qu'est-ce que tu dis? Tu connais pas le raccourci de mettre les items de l'exocombinaison via le cargo sans aller dans l'onglet de l'exocombi? Je suis dans un coffre. J'étais dans un coffre, Vampire Loup, en fait. Donc, il serait aussi rapide de faire ça, ça, et d'aller chercher quelque part l'item que je cherche. Donc, je l'ai fait dans l'autre sens, mais je vois pas où j'aurais gagné du temps. À moins que tu parles d'autre chose. Mais j'étais dans un coffre, j'étais pas dans le cargo. Si j'avais dû envoyer dans le cargo, oui, j'aurais fait ça. Encore que là, ça m'envoie dans le vaisseau, mais... quoique, peut-être pas. Mais non, là, en l'occurrence, c'est parce qu'on était en train de gérer les coffres. Alors, elle est où la mission? Where is the mission? Ici même. Vous avez tous entendu, Ashkir vient de me faire un compliment sur mes atterrissages. À mon avis, Ashkir est malade. Non, ça va, tranquille. Ah non, non, après, j'ai dit que t'arrivais à faire des trucs.
vois pas où est-ce qu'il y a un compliment. J'ai dit que t'avais. Blaine Vador, je t'aime bien, hein, mais j'ai pas fait de compliment. J'ai dit que t'arrivais à faire des trucs. Bah, tu vois, des trucs, quoi. Je veux dire, t'es pas, t'es, j'ai, tu vois, j'ai pas. C'est le début de la fin. Tu n'as rien entendu. Et ben non, mais on t'a déjà dit que ce n'était pas un endroit pour se poser. Aussi, ouais. J'avoue. Oh, joli! Pour info, tiens, je le dis vite fait parce qu'il était tout catastrophé. Alors, j'ai plus son nom. Hisoka, je crois. C'est Hisoka. Il était tout catastrophé, je le dis pour ceux qui sont intéressés. Il est joli, hein. C'est joli. Éventuellement pour faire des échanges, pour faire une bourse d'échange de compagnons, d'œufs de compagnons. Voilà, il y a un trade qui a été. Enfin, il y a un trade. Il y a un forum. Il y a un poste qui a été ouvert pour l'échange de compagnons, d'œufs de compagnons, si ça vous dit. Alors, je vais juste faire ça. Hop. On est bien, jour de fête, tout ça, silicate à fond, tout ça à fond, et on va dire bonjour aux monstruosités. M'en faut combien? On ne sait pas. On espère que la mission est active, mais on ne sait pas. Hop, est-ce que c'est actif? Je me méfie parce que vu que ça. Oui, si, c'est bon. 3, c'est tout? Où est-ce qu'elles sont? Vous êtes où? Et coucou! Ah putain, c'est chiant de ce côté-là. Là, voilà, parfait. Bonjour! Mission accomplie. J'adore cette arme. Je vous ai dit que j'adorais cette arme. Et là? Elles sont en kit, quoi. T'as même pas besoin de viser. Ce qui est trop bien avec cette arme, c'est que t'as même pas besoin de viser. Que j'ai débordé un peu. Ouais, même aller faire une photo, tellement je suis à l'aise là. Et coucou! C'est bon, y a plus personne? Oh bah allez, faites un effort. Et elle dit, ça fait 8 ans qu'ils nous alertent, hein? Planète de glace, elles ont volé tous les ciels bleus du jeu. Ouais, c'est vrai. À cause de la limite des 3000, j'ai dû réduire la hauteur, d'où pourquoi j'ai dû refaire. Ah ok, Neovax, entendu. C'est de la triche de se planquer au-dessus. Ouais, non mais de toute façon, t'as vu la gueule de l'arme? C'est pas de la triche, j'aurais pu me mettre dans le bâtiment, ça marchait tout pareil. Par contre, il y en a beaucoup trop là, vous m'avez gonflé. Poussez-vous. Poussez. Ça fait comment quand ça tremble parce que c'est paralysé? On sait pas. Ok. Bon, on est bon. Mission accomplie. Mission accomplie, logiquement. J'espère. Il dit quoi le jeu? Il dit rien. Retournez vers l'agent de mission. Merci. Bonne chose de faite, tiens. Il nous manque plus que les sentinelles. Il nous manque plus que les sentinelles et on est bon. Alors, sentinelle planétaire. Bim. Donc là, je vais prendre une cartographie ce coup-ci parce que. Ah putain, je les ai. Flûte! Je les ai pas achetées. Pardon. Alors, j'ai comparé tes stats de horreur tuée et j'étais un peu plus élevé que toi. Tu avais 100 horreurs tuées. Moi, j'avais 847. Là, je suis à combien maintenant? Ouais, mais c'est parce que t'as farmé une nanite. Je suis à combien maintenant? Je suis à. Parce que j'en ai tué entre-temps. C'est chez qui? Là. Je suis à 396. J'ai avancé un peu. Un pistolet exotique pour le scan. Ah, GG. Bien joué. Donc. Je suis pas sûr que la cartographie fonctionne là. C'est. C'est pas un signal de. Ah, non. Ces bâtiments sécurisés, donc il me faut ouais, il me faut la carto. Ça va être vachement plus simple. Donc on fait un aller-retour jusqu'à la station, puisque là on n'a pas d'obligation là normalement. C'est beau.
Donc on va vite fait chercher des cartographies. Long time ago, les monstrueuses bêtes lui couraient après. Avant, c'était mieux. Ouais, oh, ça va. Oh, joli. Jolie couleur, mon vaisseau est carrément raccord avec la station. Ton sur ton, attention. Alors. Cartographe au cartographe, et on est chez les. Je suis déjà venu là, on est chez les mercenaires. Peut-être que je peux valider un truc. Oh, attends. Bâtiment sécurisé, oui ou pas? Bonne question. Bonne question. Il me semble que oui. Voilà, c'est ça. C'est ce qui me semblait. Donc on va en prendre une dizaine. Quelle? Hop. On va les ranger au bon endroit pour que ce soit bien propre. Ça sur deux rangs, parce qu'on va. Ouais, un truc comme ça, quoi. Oui, peu importe. Tout ça, c'est bon. Ça, je vais peut-être pouvoir les donner. Alors là, on est chez les mercenaires, donc je peux filer tous les loots de Sentinelle, déjà. Je crois que. Je crois que j'avais déjà tout donné. Non, c'est bon. Ah si. Donc il n'y a que ça. Et. Cœur cristallisé, bah vas-y, donne. Carte de limite Sentinelle, je prends. Et. Ouais. Ok. Et je lui redonne le cœur cristallisé. J'en veux pas de ton cadeau, garde-le. Et là, je me fais insulter. Non, pourquoi? Est-ce qu'on a le PNJ dans la boîte? Du coup? Eh oui. Oh, mais ils ont pas la même posture. Ok, c'est rigolo. On aurait presque l'impression que c'est un jeu avec des microtransactions où ils font de la pub. Une astuce pour réussir à trouver facilement une pistolet alien. Tu parles des expérimentales ou tu parles desquelles? Tu parles de quel multi-outil? Tu parles de genre de choses? Parce que ça c'est du multi-outil alien. Ou est-ce que tu parles des expérimentaux type on va dire type Corvax, on va dire ça comme ça, ceux-là là. Desquels tu causes? Pris le du RNG. Pas faux. Par contre, c'est cool là, les petites. La petite statue. Enfin, le statue. Le mannequin. Ouais, on va dire mannequin. Le mannequin qui te vend une. Qui te vend une armure. Mais il devrait te mettre les prix en vif argent, en vrai. Si on en est là, il devrait te mettre les prix en vif argent. En vrai, c'est rigolo. En vrai, c'est rigolo. Pour le coup, tu vois, c'est immersif. Celui que tu utilises pour le combat. Ok, le alien. Non, il n'y a pas d'astuce. Enfin, sur l'autre non plus, d'ailleurs, il n'y a pas d'astuce, mais. J'avais un mini-objectif qui était de trouver des stations de l'extérieur du trailer qu'on avait en 2023. Et oui, je l'ai trouvé. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas du tout d'hologramme à l'époque. Ah oui, non, non, carrément pas, Vampire Loup. Et il n'y avait même pas les effets de lumière non plus. J'avais un pistolet expérimental pour le scan. Et enfin, ah oui. Yes. Non, il n'y a pas véritablement de. C'est au coup de bol. Je trouve ça très cool. Limite, je te dis, tu me mettrais les prix en. Je serais même pas choqué en fait que tu mettes les prix en vif argent. En vrai, ça aurait pu être cool. Une vraie boutique. Tu vois? Je sais pas s'ils auraient mis la même chose dans l'anomalie spatiale. Non, ils l'auront pas mis, mais. Parce qu'ils ont pas refait l'anomalie spatiale, donc il n'y a aucune raison. Mais. En vrai, c'est chouette. Ben, j'aime beaucoup. Alors, si. Par contre, je me suis fait perturber parce que j'ai quand même des. Module à vendre. Alors attends. Tac. Ça c'est bon. Et le reste, on va le garder. Ça, on va le garder pour le filer à la guilde des explorateurs. Il va juste falloir les trouver. Ok, maintenant qu'on est là, on va récupérer installation de production. C'est parfait. Ça me va. Une future boutique d'armure. Mais ce serait trop bien! Des geeks en vitrine. En fait, il y a toutes les races. Vampire Loup, c'est nouveau. Salut. Sub Hank. Ils ont pas l'air geek. Non, c'est dans toutes les stations. En fait, c'est depuis le patch expérimental, là.
Depuis le patch expérimental, dans cette zone-là, c'est-à-dire entre les équipements de l'exocombinaison et les équipements du multi-outil, tu as une armure. Enfin, tu as un mannequin. Non, il n'y en a pas encore en Pirlou, mais je suis sur la dernière expérimentale. Et il y a un PNJ en armure. Enfin, il y a un mannequin en armure. Et la posture n'était pas la même sur l'autre. Il tenait son multi-outil dans la main droite. Et en fait, il le portait un peu, tu sais, sur la. Entre ses deux mains, quoi. Vas-y, si je fais vite fait, attendez. On va faire ça comme ça. Chez les Corvax, vite fait. J'ai fait Viken, j'ai fait Corvax. Attendez. Une station Corvax, tiens, on voit une là. Au pif. Puis comme ça, avec un peu de chance, il y a de l'exploration aussi. Empalé. Empaillé! Ah! Putain, j'ai lu empalé. C'est soirée découverte d'un nouveau jeu ce soir, dit le Solarien. C'est ça. Entre les mécaniques des missions et les PN et les mannequins en vitrine. Non mais en vrai une vraie boutique ça aurait été cool, j'aurais même pas été choqué par les prix en vif argent quoi. Alors celle-là elle est toute rouillée, pour info, il y a des variations, celle-ci est complètement rouillée. Et je trouve ça très classe. Je préfère ça d'ailleurs. Tu vois? Bref, alors, le PNJ. Ah oui, eh ben, c'est un Corvax. Non? Ah non, c'est un explorateur. Bah, c'est un voyageur. Non, c'est un explorateur. Bah, c'est nous, quoi. C'est une anomalie, pardon. Tu vois? Putain, le multi-outil des enfers qu'il a. Bref, moralité, moi, je trouve ça trop classe. Je trouve ça vraiment classe. De bon vieux temps. Voilà ce qu'on aurait aimé pour le musée sans rien dedans. Ouais, mais j'en ai parlé en plus, je le disais, ouais. Et bonsoir, Georges. Alors, je relance une nouvelle partie tous les 2 ans et je trouve dingue que tu continues à streamer sur ce jeu depuis ses débuts. Oui, j'étais là à tes débuts. Eh bah, ben, figure-toi, Georges, que je trouve ça dingue aussi. Et merci à toi de passer par là de temps en temps, du coup. Je rêve d'une boutique d'armure, mais tellement. Oui, c'est vrai, un superbe jeu ressemble un peu à No Man's Sky de loin. C'était mais les journées ça commence à se charger. Ouais, ça marche, Mick. Très bonne soirée à toi. C'est quoi ton truc d'échange d'œufs? C'est sur le Discord directement. C'est quelqu'un qui a ouvert un post pour proposer d'échanger des œufs. Alors, bonsoir. Je me permets une question technique. Je vois que le jeu est très fluide sur ton stream alors que j'ai des micro-freeze chez moi avec une 3080 Ti 32 Go et i9 12K. Y a-t-il une solution? Merci, dit Romuald. Bonsoir, Romuald. Alors, moi, je suis en. C'est du shadow computing. Enfin, du cloud computing. C'est un PC dans le cloud, mais c'est un PC complet. Ça n'est pas du cloud gaming et ma partie ne m'est pas streamée. Enfin, si elle m'est. Enfin, c'est compliqué. Mais tu as les spécificités de la machine sur laquelle je tourne le jeu. Merci beaucoup, Romuald. Tu l'as à propos de la chaîne. Directement sur la page d'accueil de la chaîne, tu auras les paramètres du Shadow. Sinon, ce que je peux faire, c'est te montrer mes paramètres graphiques, qui en l'occurrence. Alors, je le dis toujours, mais sur No Man's Sky, il faut toujours être, comment on dit, ne jamais surestimer sa machine. Donc je te montre vite fait, mais je tourne comme ça moi. Donc une page et 2 pages. Hop. Tout est en ultra, sauf les ombres et les reflets. Et pour le reste, on est là. Voilà. Est-ce qu'il y a une astuce? Après, non, il n'y a pas d'astuce en soi. J'ai déjà eu le cas il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui me posait la question. Une fois que tu as fait les vérifications d'usage du genre est-ce que mes drivers sont à jour, machin, tout ça, la seule chose que je pourrais dire, c'est qu'il faut tout baisser. Tu baisses tout. Et ensuite, tu remontes au fur et à mesure pour avoir le jeu qui te plaît le plus visuellement, le plus beau, pour toi visuellement, et qui est fluide. Tu vois ce que je veux dire? La première fois que je fais mes réglages, moi, sur No Man's Sky, j'y passe une demi-heure en disant, bon, ok, je vais monter ça. Mais je vais faire l'économie sur ça. Après, c'était pas sur cette machine-là, mais à l'époque, sur ma machine en local, c'était je vais économiser sur ça, je vais monter ça, etc. Il faut. Je peux pas te donner d'autres conseils que ça. D'essayer de faire un peu un équilibrage. Alors, par contre, j'ai détecté une installation de production qui ne m'affiche pas. Je suis tristesse. Elle est où? Ah mais non, j'ai changé de système. Qu'il est con. Pardon, excusez-moi.
Excusez-moi, je me disais, bah mince alors, flûte. Qui merci, je le vois en 1080, je suis en 1440, c'est peut-être là. Possible. Ah, possible. Non, mais pour être honnête, on est d'accord que le vaisseau pirate, les nouvelles stations, le jeu se transforme beaucoup, mais pour aller où? Mais en fait, la question Vampire Loup, c'est. Et bonsoir le loup brun, je l'ai dit, et je l'ai redit. Et je l'ai re-redit il y a pas longtemps. Le problème, c'est qu'ils font ce qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que techniquement ou en termes de force d'équipe, c'est des gens qui travaillent chez Hello Games, au fur et à mesure qu'ils ont des compétences dans l'équipe ou des avantages techniques qu'ils peuvent mettre à propos, mettre au service du jeu ou au service d'une mage, ils le font. Ce qui fait que la mage n'est pas drivée par une démarche, mais par une capacité. Et c'est, à mon avis, enfin, à mon avis, ça peut pas mener bien loin, en fait. Parce qu'une fois que tu as mis de la fumée absolument partout dans le jeu, parce que tu as embauché quelqu'un qui est spécialisé en VFX, eh ben, tu vois, t'es arrivé au bout, quoi. Alors, par contre, est-ce que c'était là? Retourner auprès de l'agent de mission? Oui, bah vas-y, on va tenter ça. Peut-être. Mon avis, c'est pas là, mais. Je ne sais pas si tu as vu. Pour info, Denibola a mis en place une carte de la planète Meetup. Oui, j'ai vu! Et j'ai carrément vu, et je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Non, non, moi, je pense que c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, en fonction des gens disponibles et des compétences disponibles et de ce que les machines peuvent supporter, ils avancent. Mais pour moi, c'est pas la bonne. Enfin, c'est pas un chemin qui peut forcément aller loin, quoi. Il y a forcément un moment donné où ça va coincer. Alors, retournez vers l'agent de mission. On fait ça. Donc. On veut la une. Ah, on y arrive. Hop, et il me reste plus que les sentinelles. Et on est bon. Tuer 4 quadrupèdes. Si j'en fais 4, ça le fait. Ça me ferait 2 niveaux. Parce que j'en ai déjà 2 à tuer, je crois. Vas-y, je les prends en même temps. Ça se fait, tranquille. Ça se fait tranquille. On les fait en même temps. On les fait en même temps. Oui, sauf que leur fumée, il y en a partout, sauf dans les marécages. Si, il y en a un peu, mais c'est pas la même. Mais il y en a. Mais c'est pas la même, je suis d'accord. La bonne nouvelle, c'est ce que je disais, c'est que dans les personnes qui recrutent, ils ont recruté un game designer. Et que la très bonne nouvelle, c'est que le poste a été pourvu. Donc, a priori, pour Light No Fire, ils auront un game designer. C'est une très bonne nouvelle. Bon, on se fait un peu de marave tranquille, puis après, je sais même pas quelle heure il est là. Ça bouge, ça déroule vite. Ah putain, oui, ça déroule vite carrément. Alors, une astuce pour retourner sur ta dernière position quand tu voyages dans deux galaxies Euclidées. Sur ta dernière position, alors moi j'évite de bouger trop souvent mon cargo pour être sûr de revenir à mon cargo, sinon poser une base. Revenir sur ta dernière position, en fait, attends, non, je vais faire ça un peu plus sérieusement pour répondre. Ton fil de découverte est un fil temporel. Donc logiquement, elles sont dans l'ordre de ce que tu découvres, tu vois. Elles sont dans l'ordre de ce que tu découvres. Après, quand tu fais des allers-retours, machin, tout ça, tu peux vite te paumer. D'où le fait, si tu sais que tu fais des voyages, machin, de positionner à un moment donné une. Ah mais non, c'est pas le pilier que je veux, moi. Il m'a filé le pilier. Ah mais non. Non, 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 non. On utilisera le pilier peut-être après, mais. Je pourrais pas lancer d'aggro et de vagues si. S'il me file pas. Si je détruis les sentinelles, donc ça va pas le faire. Donc, ouais, non, Rems, j'aurais tendance à te dire de te mettre un point d'accroche dans les deux galaxies pour être tranquille, tu vois. Comme ça, t'es tranquille, tu sais que tu les perds pas. Moi, il m'est arrivé il y a pas très longtemps de me perdre. Et c'était carrément pas cool parce que du coup, je suis dans une zone galactique spécifique. Donc j'ai envie de te dire, ouais, une base de chaque côté. Heureusement, j'avais une base à l'endroit où je suis là en ce moment.
pour pouvoir revenir assez facilement. Sinon, ça aurait été galère. Une vraie direction artistique avec un game designer, mais encore une fois, cela reste mon avis, les amis, dit mon avis. Enfin, il y a de l'espoir, oui, c'est vrai. Attendez, on va pas faire on va pas faire une blind valeur. Oh, ça m'en rigole. Je laisse mon cargo du coup. Ouais, ben moi c'est ce que je fais, Rems, en général. Bon, si je dois naviguer sur la map, enfin dans la carte, tu vois, genre quand je reviens sur une base ou les machins, ou là par exemple quand je vais construire au meetup, le meetup se fait pas du tout là où on est. Eh ben, je laisse mon cargo ici et je me débrouille avec les ressources que j'ai là-bas. Et si je peux pas, je reviens vers mon cargo et ensuite je repars vers la base du meetup. Mais surtout, j'invoque pas mon cargo là où il y a le meetup. Ok, alors, du coup. Ça, on est bon. Ensuite, ça, normalement, on devrait être pas trop mal. Oui, 95%, ça devrait aller. On en a 4 à faire, ça va aller vite. Hop là, ça c'est fait. Ensuite, on dit bonjour. Bonjour. Allez. Elles sont cachées derrière, quoi. Allez, dedans, lol. Elle est dans le bâtiment. La sauvage. Elles sont perdues, les sentinelles, là. Eh, les filles, c'est par là. Eh ben, quel bordel. N'est pas sorti du sable, je vous le dis, moi. Allez. Merci. Oui, c'est pourquoi. Là, j'aurais dû faire vendeur de calendrier, quoi. Elle est où? Derrière? Elles sont derrière. Et coucou! Comment ça? Elle m'envoie loin, par contre. Ok. Et là, quelle violence. C'est beau, une petite marave au coucher du soleil. Allez. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Il est où? Où es-tu? Montre-toi. Il est là-bas? Ouais, il est là-bas. Oh non, c'est pas ça. Elles sont méga loin, c'est que ce bordel. Je peux même pas la toucher, là, elle est trop loin. N'importe nawak. Elles se sont stuck dans le bâtiment. Il y en a une partie qui est carrément pas là. Ah, il est là. Coucou! T'es où? Merci. Donc ça en fait un. Alors, les paramètres nominaux sont en cours de rétablissement, de quoi on parle. Bon, c'est plus esthétique, mais j'aurais aimé, en première personne, voir mon perso tenir plus animation à deux mains sur les fusils. Ah oui! Et coucou! Voilà. Je devrais pouvoir poser des mines, ce serait drôle. Dog ou pas dog? Allez! Peut-être pas, ceci dit. Tu vois, regarde, c'est disco comme une station spatiale. Où est-ce qu'on va? N'a plus? Je les ai toutes perdues. Oh, flûte. Je pensais qu'il en resterait au moins une. Tant pis. Du coup, j'ai tout perdu. Il y avait celle qui était là.
Et du coup, ça va pas suffire. Ah bah non, my bad. Autant pour moi, j'ai mal géré. J'ai mal géré. Et il m'en faut combien? On a dit 4, hein. J'ai mal géré. Détruire les sentinelles avancées, ça ok. Sauf qu'il me faut... Ouais, tu sais quoi, on fera ça plus tard. Mais c'est vrai que j'ai pas fini ça. C'est vrai. Tiens, mange. On fait au moins une... Je l'ai fait cet après-midi, mais j'en ai gardé une. Là, le problème, c'est que j'ai pas gardé une seule sentinelle. Du coup, je suis carotte. Ça, c'est ouf, ça. Très déçu. Bon, tant pis, on en a fait un bout. Ça, c'est joli, les couleurs, là, la lumière. Tant pis, tant pis, tant pis. Ah, c'est disco. À moins qu'il y en ait une qui pop dans le coin, mais pour l'impression. Pas l'impression, et si je désactive les sentinelles sur la planète, ça marchera pas. Donc bon, on fera ça plus tard. Au fur et à mesure qu'on les croise. Bah tu sais quoi, je vais... Non, je vais garder le pilier, on sait jamais. Tu sais quoi, je peux continuer à le faire tranquille sur cette planète-là, en vrai. On va faire ça, on va faire ça. 9 sur 9, ouais, c'est fait. Yep. C'est fait, on ira rendre la mission, là. Je vais essayer de voir si je peux choper d'autres... D'autres sentinelles dans le coin. Alors le problème c'est que vous n'avez pas connu 2016, vous, mais les sentinelles sont devenues tellement rares hors spawn en mode normal, je trouve ça... Enfin... C'est limite, faut avoir du bol de tomber dessus, quoi. Si t'es pas à côté d'un bâtiment... Elles sont devenues méga rares. Après, c'est peut-être parce que je suis en mode normal, mais... Si j'ai pas touché aux paramètres, donc... Je suis en mode normal. De base... Tu vois, regarde, ils en ont mis partout. Il y en a même... La fumée, là, j'ai même noté qu'il y en avait sur les tout petits abris. Alors, je sais pas de quand ça date. Je sais pas de quand ça date, en vrai. Ils en ont mis... Partout. Où est-ce que c'est, l'entrée, ici? Doute. C'était là. Ok. Tu sais, les tout petits abris. Je vais pas trouver une seule sentinelle. Je vais pas arriver à les attirer de toute façon. Les abris où il y a juste deux petites cabanes là. Là, c'est un peu compliqué là. Wow! Un pote avec un bec géant géant. Aïe. Attends, on va juste, hop, s'assurer de pas pouvoir lui faire de mal, voilà. Stylé, lui. Il est classe, lui. Aïe. Il est carrément classe. Vous avez pas connu 2016, gros vilain flatteur. J'ai trouvé ça bizarre, les sentinelles deviennent rares. Ouais, carrément. Je ferai attention avec les sentinelles la prochaine fois. Non, mais je te dis, si t'es pas en train de les chercher, si tu les cherches pas, tu vas vraiment galérer. Mais reste dans le coin, copain. T'étais tout mignon. Attendez. Hop. Bon, en plus, il me jette un petit regard amusé. Tu sais, je savais pas que le ciel était bleu aussi. Le savais-je. Tu vois, on parlait, tiens, bah, exemple, exemple, indépendamment de la direction artistique, la direction artistique me convient, ok, les animaux dans No Man's Sky, ils sont comme ça, ok, mais au moins, la qualité de l'animal n'a pas à rougir par rapport à un autre. Gremlins à bec, c'est un gremlins à bec. Tu vois? Pour moi, alors, si on doit le dire comme ça, il est 2024. Et ça me va. Il est cool. En plus, il est cool. Un peu speed. Un peu speed. C'est peut-être les animations où il pourrait gérer, mais... pardon. C'est là. C'est là. Je sais comme il est mignon. Il est tout mignon. Il fait 7,90 m quand même. Mais il est mignon.
contre, toi, t'es pas beau. Alors, ça fera pas le café, tout ça. Les sentinelles, ça les frappe. Ah ouh. Ça les frappe pas non plus. Je vais passer par en bas là-bas. Bon, la direction du pilier, histoire d'avoir une direction, mais on va pas vers le pilier. Imlin Sabek. De base, c'est un proto-geek, mais admettons. Grimlin Sabek, ça marche aussi. C'est quoi ça? Après le Grimlin Sabek, tu as le marsupial à la crête. Presque pareil. Quasi. Ah bah merde alors. Tu es en direct. Être rose en plus? Il est où? Oui, c'est ça. Crête rose. Sauvage. Oui, 2024, c'est de la fourrure synthétique. C'est ça. C'est ça. Carrément ça. C'est une autre version celui-là, non? Attends. C'est marrant, celui-là est plus... Ah non, c'est le même. Ok. Il me donnait une destination? Doute. Oui. Tu vois, typiquement, on n'en a pas vu une depuis tout à l'heure de Sentinelle là. À part celle que j'ai chopée sur le spot. Mais sinon, sinon, on n'en a pas vu. Alors là, ça a l'air magnifique, mais on n'aura pas le temps. On n'aura absolument pas le temps, c'est dommage. Ouais, je suis beaucoup trop loin. Tac. La nébuleuse, c'est pas dégueu. Hein. Faut juste enlever les nuages. Ouais, peut-être pas. En fait, peut-être pas tout à fait, mais pas moche. C'est quoi? Je sens Nico. Rien de nouveau sur Switch, par contre. Nope, rien du tout. C'est quand même très inspiré du jeu vidéo sport, l'esthétique des créatures. Non. Non. J'aimais trop ce jeu quand j'étais plus jeune. Ouais, par contre, moi je l'ai fait sport. Mais je crois que je l'ai fait deux fois sur la chaîne. Il me semble qu'on l'a fait deux fois. Après, non. Sur l'inspiration des créatures, je pense pas, non. Je pense pas. Tu vois, il y a zéro sentinelle, quoi. Et quoi, on va essayer de s'en refaire un bout vite fait. Des cartographies de toute façon. Alors les compagnons ont une utilité ou c'est juste avoir un animal de compagnie? Animal de compagnie, Rems, ils peuvent quand même te filer des ressources. Alors c'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte, mais quand tu as ton pet up, on en profite pour saluer Anava. Et coucou qui a encore récupéré ses coffres. Voilà. Donc quand t'as ton pet, tu peux... T'as deux emotes, dont une tac, qui te propose d'indiquer une zone. Et en fait, le indiquer une zone... lui lance, bon là ça a visé n'importe où, mais c'est pas grave. En gros, ça lui lance l'ordre et une mission.
C'est-à-dire qu'elle va aller te chercher quelque chose. En gros, c'est va chercher, quoi. Et elle va, tu vois, en train de suivre les ordres, et elle va te ramener quelque chose. Bon, là, c'était pas le but. Donc, des fois, et des fois pas. C'est pas une science exacte. Tac. Faire ça comme ça. Le problème, c'est qu'il faudrait que je le fasse en troisième personne pour pas pointer n'importe où. Parce qu'en fait, là, je pointe n'importe où, ça ne marche pas. Alors, hop, hop, hop. Pas du tout. Oui, j'ai un petit truc quand je me décale à gauche, en effet. Vas-y, on va faire là. Voilà. Là, c'est une vraie zone sur la map. Bon, alors, en l'occurrence, elle trouve du fécium. Merci bien, Nava, ça fait plaisir. Non, rien d'autre? Tant pis. C'est clairement pas une science exacte, Rems. Mais ça le fait. De temps en temps, ça le fait. Et certains sont plus efficaces que d'autres. Alors, plus efficaces, non, peut-être pas plus efficaces, mais. Tac, j'avais le crabe qui m'a. Ah bah tiens, regardez, elle a trouvé quelque chose là. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ouh, c'est quoi hein? Un cadeau. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Un cylindre cabossé. Oui, mais qu'est-ce que c'est? 70 d'argent. Bah merci bien. Merci bien. Bien. Et t'avais. C'était le crabe. Alors, le crabe modifié génétiquement, il est où? Il est là. Non, je l'ai enlevé. Ouais, je l'ai enlevé. C'est celui-là? Oh, je sais plus. Je ne sais plus. Hop, et. Je crois que lui, il est capable de miner parce que j'ai 1000 outils, il me semble. Mais je suis pas sûr. Attends. Tac. Troisième personne, c'est mieux. Ah, il y a des sentinelles dans mon dos. Elle est au courant qu'elle va mourir ou pas, à votre avis? Pensez quoi? Hop, pendant qu'on est là. Minera-t-il pas? Non, peut-être pas. Peut-être pas. Il hésite. Ah si, ouais voilà. Ouais, il mine. Merci bien. Encore? Non? Il n'y a plus? Voilà, bon bah un truc qui est pas ouf, mais Mais merci bien. Alors attends, on va juste le désinvoquer pour pas qu'il y ait de dommages collatéraux. Hop. Bonjour. Le tout pendant la tempête, parfait. On est bien. Ils sont où? Je suis loin de tout en plus là, mais c'est pas grave. On avait un là. Hop. Alors, au moins récupérer un bipède, et, enfin un quadripède, et puis après on sera bon. Y a mon véhicule là-haut éventuellement. Ça se fait. Voilà, c'est lui qu'on veut. Où t'es? Hop, il y a. Comment ça? Tellement mal visé. Ok, ça m'en fait deux. Voilà. Mission validée, ça c'est cool. Ok. Allez. Bon, on est bon? Oui, on est bon. Ça suffira.
Let's go. Sais pas si en véhicule c'est une bonne idée, on verra bien. Quoique, vas-y, tiens, on le fait. Allez, on le fait vite fait pour ceux qui me voient jamais me battre. Profitez-en, c'est maintenant. Il est où l'autre? Il manque un. Hey, coucou! Oh merde, il a été malin. Voilà, allez. Oust! On est bien. Bordel un peu, non? Oh, c'est le bordel un peu. Si ça le dit rien, hein. Je vois pas vos messages par contre. Désolé. Voilà. Bonne petite marave, une fois de temps en temps. Ça détend. Niveau 5. Ah, vite, fuyons. La marave, oui, c'est ça. Bon, les glyphes pour les portails, il faut finir les quêtes principales éveil ou tu peux juste. Oui, tu peux, Nico. Alors, c'est pas la quête éveil, il faut que tu finisses la quête histoire. Il est où mon véhicule? Il est là. Vas-y, run. Hop. Faut que tu finisses la quête histoire ou éventuellement que tu croises des voyageurs sur ton chemin. Effectivement. Tranquille. Heureusement qu'il n'y a pas de dégâts de chute en moto. Bon, on en aura validé un bout. On a looté pas mal de ressources pour les mercenaires. Ils seront contents. Et en plus, on va se planquer dans le bâtiment à la fin. Hop. On est bon. Perfect. Hop. Alors, salut quoi? La marave. Écoute, je vais très bien, Obélia. Bonsoir à toi. Alors, les crabes sur Terre, on les mange. Dans l'univers, on leur offre de l'amour. Nous sommes vraiment la pire des espèces. on est bon? Allez, reste 10 secondes. Faut dire bonjour à la passe V3. C'est une V3 ou une V2, ça? Ouais, c'est une V2, tu vois. Allez, on est bon. T'as qu'à faire semblant de bosser, n'hésite pas. Ouais, c'est ça, ouais. Hop, hop, et hop. On est bon. Donc j'ai validé la 2, mais j'ai probablement pas validé la 4, mais c'est pas grave. Éventuellement, maintenant, je peux désactiver mon pilier. Vas-y, on fait ça vite fait. C'est l'influence Red Dead. Ah bah c'est clair. Ah bah c'est clair. T'as vu mon efficacité sur Red Dead? C'est incroyable, hein. Tous les samedis Red Dead, j'en profite. Oh putain, je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Alors, ce sera pas demain. Enfin, je pense pas. Peut-être. On ne sait pas. Tous les mercredis, c'est un jeu en découverte, donc les jeux indés, un jeu différent chaque semaine. Et le samedi, c'est Red Dead. Mais juste dire que du coup, Sheik a eu la très énorme gentillesse, la très grande gentillesse de m'offrir le jeu Chia, ça s'appelle. Et donc, on aura l'occasion. Il est shiny, shiny celui-là. On aura l'occasion de découvrir ce jeu-là ensemble. Un mercredi, comme on avait pu le faire pour le jeu de. Tu vas te prendre un lumbago. Oh, c'est rigolo ça. C'était rigolo ce qui vient de se passer. Donc, on aura l'occasion, comme on l'avait fait avec le jeu que Gorzak m'a offert, là, le Lego Legend. Pareil. On découvrira ça ensemble un de ces jours. Alors.
Boum. Ça, c'est fait. Le multi-outil, c'est comme c'est pas ouf. Qu'il y ait de la nuit. Ouais, ben de nuit, quoi. Mamie. Cool, j'attendais que tu le fasses, le chia, je pense que tu vas apprécier. Bah, semble-t-il que ça pourrait me plaire, en effet. Du coup, c'est très sympa de ta part, Check. Pourquoi il y a une collision là? Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va rendre notre mission. Il y a aussi il y a le Botany Manor là qui m'inspire bien dans la série Jeux Végétal. Rien à voir avec Chia, mais la série Jeux Végétal après le Garden Life. Il y a Botany Manor qui va sortir sur le Game Pass. Et j'en suis fort ravi. Du coup, tu pars en Nouvelle-Calédonie? Quoi? Pour Chia? C'est en Nouvelle-Calédonie? Ok. J'ai vu vite fait le trailer, mais j'avais pas noté le pays. Ok. C'est peut-être ça. Je sais, j'évite de me spoil de trop. Donc j'ai été voir vite fait le trailer, je fais ok, ça le fait. Ça a l'air cool. C'est sûr que c'est joli, hein. Y a pas de doute. Alors, c'est un régal à suivre en tout cas. Super content que tu nous partages cela. C'est un des jeux où je me suis régalé. Je te souhaite la même. Eh ben, figurez-vous que cet après-midi, j'ai failli tuer mon cheval. Ça a été grand moment de panique. Mais c'est même pas à cause d'un combat, c'est à cause d'une chute. J'ai failli, je suis tombé, enfin, je suis tombé dans un ravin et avec mon cheval et mon cheval était dans un sale état. Enfin, tu sais, il fallait le réanimer quoi. J'ai pris une grosse flip. Parce que mine de rien, on s'attache. Alors, voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Et pour ce soir, l'émission, ça ira bien, hein, en vous remerciant. Je sais pas si. Je sais pas s'il m'offre autre chose ou pas. Si je peux lui donner quelque chose. Parce que ça se reset, je sais pas tous les combien, mais ça se reset souvent quand même, hein. Je l'ai looté tout à l'heure en stream, donc alors hop, 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 parfait. On est arrivé sur la guilde des mercenaires. On a combien? Guilde des mercenaires. Et bon, on est bon. C'est nouveau ou... Oui, c'est non, c'était bon. Oui, c'était bon. Mais non, c'était bon. Tout va bien. C'est les missions. Les missions, je suis à combien? Ouais, 29 sur 30, ouais. Puis sur 50, puis sur... Très rétro-wave aussi là. Ouais, à fond. Moi, j'ai beaucoup apprécié tes vidéos sur Nightingale, que je pense me le prendre bientôt. Alors, Delken, du coup, il va y en avoir. Ça va revenir, Nightingale. Pas tout de suite, tout de suite. Enfin, je sais pas. Non, on l'a refait. Ça va revenir, mais je sais pas quand. Je sais pas quand. Mais je vais revenir parce que j'ai besoin de. Je voudrais bien monter les niveaux. Et je voudrais surtout bien montrer les donjons, ce que je n'ai pas eu l'occasion de montrer jusqu'à maintenant. Puisque le seul donjon qu'on avait fait en stream sur Nightingale, il était. Comment ça s'appelle? Il y avait. Ils cheataient, donc du coup ils avaient pété le boss en un coup, alors qu'en fait il y a quand même une strat. Mais je sais pas quand. Je vais refaire. Mais il y en aura à nouveau sur la chaîne du Nightingale.
Faut le choper en promo si t'as l'occasion, Delcain. Il est très cool. Pour le coup, il est très cool. Il a des faiblesses, comme tous les jeux, mais il est très cool. Est-ce qu'on se ferait pas... Attendez. Hop. Alors, oh my god. Ah ben, une grande idylle. Ouais, non, mais je me suis surtout fait peur. Alors, attends. Là, c'est un warp, mais pour le plaisir du voyage, je voudrais qu'on se trouve une petite planète un peu sympathique pour la fin de soirée. J'avais même pas vu qui était déjà là. Tingle, c'est compliqué de mon côté, ça lag beaucoup, j'attends plus de stabilité. C'est vrai? Tiens, moi, il est nickel le jeu, check. Depuis qu'ils ont fixé les problèmes de réseau, c'est tout propre. Honnêtement, c'est tout propre. Le seul truc qui me reste, c'est les glitches. Enfin, c'est le fait que certains joueurs glitchent. On n'aura même pas le temps, mais 5 minutes quand même. On a 5 minutes. Tac. Ah, bah voilà. Regarde, Geek, niveau 3. Ouais, non. Après, là, ça fait une semaine que j'ai pas été sur Nightingale. Mais non, non, pour moi, il était propre. Après, il faut dire aussi que je fais quand même là, tout de suite, je suis que sur des jeux qui prennent de la place. Donc, entre le Red Dead, Nightingale, No Man's Sky, rien que déjà ces trois-là, tu dis, bah, c'est compliqué, déjà. Mais pour un accès anticipé, je le trouve bien complet. Oui, alors complètement Delkin. Complètement d'accord. Delkin, pardon. Oh, c'est la version minimale. Comme ça, là, vous voyez le concept de base. Le concept de base, c'est un noyau spatial, ce qui est très malin, hein. Ils ont un noyau spatial, et après, autour, ils brodent avec le procédural un élément ou un autre, quoi. C'est propre. Pour le coup, c'est très propre. Ils ont sécurisé une zone, et autour de cette zone, il se passe des trucs. Un Nightingale, la DA et la proposition est top. Par contre, j'attends que la technique s'améliore. C'est ce qui lui fait défaut en ce moment. Ouais. Ils ont réglé les problèmes de serveur. Mon jeu lag beaucoup plus. Là où l'autre, apparemment, ça va être fixe. Je patiente. Et puis, j'ai une base à décorer. Oui, c'est ça. Oh, c'est une station noir et blanc. Incroyable. C'est une station noir et blanc. Il n'y a pas de couleur. Et voilà. Je sais où j'habite. Alors, s'il y a un tout petit peu de turquoise. Vert turquoise. Turquoise vert. Un truc entre les deux. C'est parfait ça. Ça repose les yeux de toute cette couleur. Puis alors si t'assembles ton vaisseau, tu peux pas te tromper sur les couleurs aussi. L'avantage. C'est cool ça. Bonjour, non, je ne veux pas de mission, laisse-moi tranquille. Du coup, les PNJ sont presque fluorescents avec avec le noir et blanc. C'est cool ça. Jolie station spatiale. Bah ouais, carrément. Carrément. On est chez les Geeks, guilde des marchands. On dit bonjour, on lui donne tout ce qu'on peut lui donner. Là, je t'ai dit, ils sont fluo. Ouais, on peut pas lui donner grand chose. Si, pourtant, noyau, genre. Ah, mais c'est des trucs de commerce qu'il voudrait. Canal neuronal, je crois que j'en ai. Attendez. Est-ce que j'ai mon cargo? Pas du tout. Et non. Je reviendrai. Je reviendrai. Ça me va bien, ça. Mais c'est reposant. Mais oui, de ouf. Alors, est-ce que du coup, c'est quoi? C'est un week-end qui est dans la vitrine? Est-ce que c'est un Viken? Hein, c'est un Corvax. Non, c'est une anomalie aussi. Ça, c'est trop stylé. C'est trop. J'aime beaucoup le délire. Je t'ai dit, moi, je veux limite une boutique ou alors cet asset-là et tu peux afficher. Tu sais, ce qui serait bien, c'est que tu puisses afficher les pièces que tu possèdes en vif argent, quoi. Mais franchement, en termes de vitrine, c'est cool. C'est vraiment cool. Multi-outils, bon, bah, multi-outils. Mais les avatars, ça fait. Enfin, les mannequins, c'est vraiment sympa, hein. C'est la session de mercredi Adams. Oui, c'est ça.
Il y a un problème sur les proportions du multi-outil là ou pas? Un peu, non? Ça me paraît gigantesque. Pas sûr qu'il n'y ait pas un problème dans les proportions quand même. Non, taille de perso, ça a l'air valide. Bizarre. Bizarre, bizarre. Par contre, du coup. Attendez, je vais juste vite fait. Je vais aller jusqu'à mon cargo pour récupérer le matos. Enfin, pour vérifier que j'ai le matos. Je vais éternuer, ça c'est fait. Puis on va pas tarder à s'arrêter quand même, mais ouais, c'est reposant le blanc là. Moi aussi, depuis les derniers flics, je n'ai plus de bug de collision sur ma base semi-orbitale. Vous confirmez? Comment ça? Je nie les mannequins en construction, mais tellement. Tellement. Tac. Moi aussi, depuis les derniers flics, je n'ai plus de bug de collision sur ma base semi-orbitale. Là, comme ça, je sais pas de quoi tu me parles, mais je fais ça vite fait, mais on va pas tarder à... on va pas tarder à s'arrêter, mais la neuronale, il me semblait que j'en avais, non? C'est quoi le truc? Ah, c'était les plumes, donc non, ça marche pas, ni l'un ni l'autre. Et alors, par contre, le carburant. Le carburant, j'en avais plein dans le vaisseau en fait. Il y en a que deux. Là, j'en ai. Oui, j'en ai un peu. Vas-y, on va aller en. Je vais les mettre dans le vaisseau. Et pourquoi il les a pas pris dans le vaisseau? Ça compte pas dans le vaisseau? Ah oui, là, je peux pas envoyer là, donc ici. Ok. Du coup, ça, je vais le prendre directement sur moi. Hop. Et ça, on va le mettre dans le cargo. Ok, c'est bon. Bon, du coup, pendant que je vais vendre mes affaires, enfin, je vais donner des affaires, je vais rappeler quand même que je stream tous les soirs. De 21h15 jusqu'à 23h30, sauf le lundi. No Man's Sky, c'est le mardi, jeudi, vendredi et dimanche, sauf exception. Le mercredi, c'est découverte, les jeux indés, un jeu différent chaque semaine. Et le samedi, c'est série. Et en ce moment, on est sur une série sur Red Dead Redemption 2. Le prochain épisode, c'est donc samedi prochain. Voilà, c'est le sixième épisode, samedi, je crois. Je crois que c'est le sixième. Dans la description du stream, évidemment, il y a tout ce qu'il faut. Notamment le Discord de la communauté francophone No Man's Sky, le nmscifrance.fr, le site de la communauté francophone pour avoir toutes les infos. En français, tous les patch notes, expérimentaux, etc. Tout est sur nmscifrance.fr. Et mon Twitter pour les screenshots, les jeux que je suis, que je partage, etc. Etc. Je vais lui donner. Ah mais je suis con, il m'en donnait, j'aurais pu lui refiler. Non, je l'avais récupéré déjà. Ok. Par contre, platine, je veux bien. Et il file des trucs cool en vrai. J'avais pas fait gaffe à ce qu'il donnait, mais en fait, il file des trucs cool. Voilà, on est bon, et comme ça je peux en revendre un bout. Elle est vraiment cool celle-là. Manquerait plus qu'il y ait un nightclub quelque part, on serait. Ils auraient dû s'amuser un peu. Ils auraient dû s'amuser. Base entre 500 mètres et les cargos. Enfin, cela reste mon avis. ils auraient dû s'amuser un peu parce que la mécanique du nightclub, ils l'ont déjà sur les anomalies. Sur les anomalies, sur les colonies. Ils auraient dû nous mettre un petit nightclub quelque part, une petite cantina, ça aurait été marrant. Là, par contre, j'avais pas vu, c'est chez les geeks que c'est le plus dégagé en fait. C'est quoi ces nouveaux bancs qu'on n'a pas? Hein? C'est chez les geeks que c'est les plus dégagés, que c'est le plus dégagé en fait. Les autres, ils ont tous des caisses partout là. Mais chez les geeks, c'est tranquille. Grand luxe quoi. Oh là là, la bourgeoisie geek quoi. Non mais franchement le petit nightclub ça aurait été top. La petite cantina ça aurait été top. Bonne nuit, je garde mes questions pour le Discord. Ça marche mon avis, pas de soucis. Du coup, les gens, je m'arrête là pour ce soir. J'espère, évidemment. Attendez, on va se mettre là-haut. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Bon courage pour. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Bon courage pour demain soir découverte
Et très bonne nuit à vous. Ciao, ciao.